Salut à tous et bienvenue sur le CKB Show, le podcast qui vous parle des Chromebooks, de Chrome OS, de Google et de tout l'univers qui gravite autour du géant du web. Alors aujourd'hui, journée un petit peu particulière parce que pour la première fois, je n'ai pas oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer de l'émission. Donc ça, c'est à vraiment à fêter. Donc bravo Nicolas, merci enfin de ne pas avoir oublié d'appuyer sur le bouton. Cette journée un peu spéciale parce qu'on va parler de quelque chose d'assez important qui est très simplement la sécurité sur nos Chromebooks et sur Chrome OS. Alors pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Pourquoi on va vous parler de ça aujourd'hui? C'est parce que c'est une question récurrente sur le site mychromebook.fr. Quand je dis récurrent, c'est quoi? Une à deux fois par jour, on me pose la question, est-ce que je dois installer un antivirus sur mon Chromebook? Alors, plutôt que de répondre à chaque personne les uns derrière les autres, on a décidé avec l'ensemble de l'équipe du CKB Show de vous répondre via un podcast. Et puis, nous y voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit ajouter un antivirus sur nos Chromebooks ou pas? Donc, on va parler de ça pendant un petit moment. Et puis ensuite, on ira aborder, évidemment, les nouveautés qui vont débarquer sur Chrome OS. Et pour ceux qui nous suivent, qui sont tipeurs, et puis ceux qui nous suivent sur Twitter, vous savez qu'il y aura un after show. Donc, après le générique, ne partez pas parce qu'on aura plein de choses à vous dire. Alors, quand je dis « on », évidemment, c'est pas moi, pas tout seul. Nous avons Thierry. Thierry, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Nico. Ça va bien et toi? Mais écoute, très très bien, il fait super beau, ça change, il n'y a plus d'inondation chez moi, je suis super content. Laurent, toi aussi, tu m'as dit qu'il pleuvait beaucoup hier, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, il me semble. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Nicolas, bonsoir Thierry. Oui, il fait un temps superbe, il y a des nuages, mais il ne pleut pas, il y a un peu de soleil, mais il ne pleut pas. On est heureux, c'est formidable. Ah ben, c'est... Alors on va remercier déjà tous ceux qui sont là, leur dire bonjour. Bonjour Régis, Stéphane, Panino et Pizza à Ornan. Merci à vous trois déjà, j'ai un petit message à vous dire. Yagelt aussi, merci. Quatre. Merci à vous quatre qui êtes dans le chat. Bonjour à vous tous et bonjour à tous les autres qui nous ont rejoints également. Sept. Donc du coup, ce soir, on va vous parler d'une chose, mais avant de vous parler de tout ça, une chose importante. Soutenez-nous sur Tipeee. Et oui, merci à Yagette, Joseph, Stéphane 777, Panino et Pizza de nous soutenir. C'est nos derniers soutiens de la semaine d'ailleurs. Merci à vous quatre. Merci énormément à vous quatre. Grâce à vous, CKB Show va exploser. On est en train de réfléchir à racheter TF1. Donc allez-y, continuez. Ça va être compliqué, mais on n'en est pas loin avec vos Tipeee. Et puis, ces Tipeee nous donnent encore plus envie de vous aider et de vous apporter des news de qualité, en tout cas, je l'espère. Et merci à vous, hein, merci. On peut presque les applaudir. Alors, j'avais un bouton, mais je ne suis pas sûr que ça soit le bon. Alors, je vais quand même le tester. Ah, ben, c'était pas sûr. La prochaine fois, je note. Merci. Merci à vous quatre de bon, vos derniers soutiens. Donc, ceux qui veulent nous soutenir sur Tipeee, c'est simple. C'est vous allez sur le site fr.tipeee avec 3 E, hein, Tipeee, tipeee.com/mychromebook-6fr. Et puis, vous pouvez nous soutenir à hauteur de 1 euro, 10 euros, 15 euros, 150 euros, enfin, tout ce que vous voulez. On prend tout. Parce que grâce à vous, on peut essayer de faire des choses de qualité. Et du coup, j'essaye aujourd'hui d'améliorer la qualité vidéo, en tout cas de ma part, et du son. Puisque la dernière fois, c'était un petit peu moyen. Il y avait beaucoup de coupures. Donc, j'espère que cette fois, ce sera beaucoup mieux. On a une autre petite information intéressante. C'est si vous aimez les Chromebooks, Chrome OS, Google et tout ce qui gravite autour de ça, nous avons une newsletter, une infolettre auquel vous pouvez vous inscrire et c'est gratuit. Comme pour Tipeee, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il suffit simplement d'aller sur mychromebook.fr/infolettre et puis vous vous inscrivez et tous les 15 jours, dans la mesure où nous arrivons à le faire tous les 15 jours, nous vous envoyons une petite news avec un dossier généralement centré autour d'une information bien spécifique. Donc, mychromebook.fr/infolettre, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et puis, on vous envoie la dernière fois, je vous ai parlé, je crois, de montage vidéo sur un Chromebook. Donc, ça peut être intéressant des fois parce que même si nous ne sommes pas tous vidéastes, on fait toujours des petites photos, des vidéos, des photos en famille et on aime bien faire un petit montage. Et bien, sur la dernière newsletter, si vous ne l'avez pas reçue, dites-le-moi, je vous la renverrai. Vous pouvez voir tous les outils et les logiciels qui sont utiles sur nos Chromebooks. Voilà. Avant de continuer, avant de vous parler de la sécurité informatique globalement, mais plus sur les Chromebooks, je vous invite à couper vos assistants personnels parce que
ça va commencer. Et évidemment, comme tous les podcasts sur Chromebook et Chrome OS, on va parler de Google. Alors, si vous voulez éviter que ça s'allume en permanence, coupez-les tout de suite. On arrive dans quelques instants. Thierry, c'est fait. Laurent, c'est bon. Personne ne va nous embêter. Oh, il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. Eh bien, c'est cool. C'est cool. Alors, sans transition, c'est quoi un virus? Alors, avant de vous parler de est-ce qu'on doit mettre un antivirus sur un Chromebook, il faudrait peut-être savoir ce que c'est qu'un virus. Alors, on vous a listé 2-3 virus. On ne va pas rentrer dans le détail, vous les connaissez sûrement tous. Mais on en a plein. Et ces virus-là, on les connaît tous, mais est-ce qu'on est à l'abri? Ça, c'est une autre question. On en a échangé avec l'équipe avant l'enregistrement, et on est tous tombés d'accord qu'on était tous assujettis à ces virus qui pouvaient nous embêter au quotidien si on ne faisait pas attention. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme virus? Alors, vous en connaissez bien. Alors, moi, je vous ai francisé les virus, hein. On a les logiciels espions. C'est les spyware, je crois. Est-ce que Thierry, tu veux qu'on rentre un petit peu dans les détails rapidement ou pas? Non, je pense que tu peux les lister. Et puis, de toute façon, je pense qu'au fur et à mesure, on va en parler plus ou moins en détail au fur et à mesure de l'émission. C'est ça. Alors, on a les logiciels espions, les logiciels malveillants, les rançongiciels. Alors, vous voyez, ceux qui nous suivent sur YouTube, je l'ai mis en couleur, c'est un lien. Donc, ceux qui regarderont ou suivront le podcast pourront aller cliquer sur ce lien pour accéder à des informations liées à ça, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très fréquent. Donc, autant qu'on sache s'en prémunir. On a les virus classiques, hein, le petit virus, le petit truc qui se balade, les petits vers. On a des pourriels. Oui, c'est des virus aussi, les pourriels, l'hameçonnage ou le phishing, merci. Et puis, j'ai rajouté dernièrement le SIM swapping. Thierry, tu me disais que tu ne savais pas ce que c'était au début. Tu en as vague idée, évidemment. Le SIM swapping, ça parle plutôt bien. C'est l'échange de cartes SIM. Je vais juste vous donner un exemple. Quand on fait un achat sur Internet ou n'importe quoi, la plupart du temps, on reçoit un SMS sur sa carte SIM, sur son numéro de téléphone, avec un code à plus ou moins de chiffres. Hein. Plus il est long, plus il est sécurisé, il paraît. Et c'est là où le méchant hacker va arriver. Il va jumeler deux informations. Il va vous faire du hameçonnage. Il va vous envoyer un petit mail en vous disant, tiens, vous êtes chez tel opérateur. Votre dernière facture n'est pas payée. Merci de régler rapidement en accédant à votre espace abonné en cliquant sur ce lien. Et puis, merci de saisir vos coordonnées de carte bancaire. Donc, sur du truc, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas forcément fait attention, on clique dessus, on tape son identifiant mot de passe de notre opérateur, et puis dans la foulée, on tape notre CB. Et là, le site nous dit merci d'avoir réglé votre facture. Et là, le piège s'est refermé, le méchant hacker a récupéré les identifiants mot de passe de votre espace abonné, donc il va pouvoir aller changer votre carte SIM, et puis vous lui avez donné gentiment les coordonnées de votre carte bancaire, donc il a votre carte bancaire aussi. Et là, l'idée, c'est qu'il va changer la carte SIM chez son opérateur, peu importe l'opérateur, Orange, Bouygues, SFR, Free, peu importe l'opérateur au niveau mondial. Une fois qu'il a votre carte SIM, il a la clé de sécurité pour tous les paiements sur Internet. Donc ça, c'est super sympa de lui avoir donné. Donc faites attention de pas donner vos identifiants mot de passe à n'importe qui. Et peut-être, je tease un autre truc, n'allez pas sur le lien qui est forcément dans le mail. C'est pas toujours le bon. Donc voilà. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais c'est ceux qu'on entend beaucoup, ceux qui font le plus de bruit actuellement. Donc, maintenant qu'on le sait, il y a des virus ou un des dangers de l'informatique que tu as entendu parler dernièrement plus que d'autres? Bah oui, c'est dans les entreprises, parce que dans les entreprises, il y a beaucoup de trous de sécurité. Faut pas se leurrer, il y a des trous de sécurité au sein des entreprises. Je dirais que la défense des particuliers, on va pouvoir leur prendre leurs informations qui se trouvent à l'intérieur, comme tu expliquais, ou simplement leur voler. Pour les entreprises, par contre, on va demander des rançons. Et là, les rançons, ça peut devenir quelque chose de très important pour une entreprise, que ça soit une petite ou une moyenne ou une grande entreprise au niveau international même. Alors, il faut savoir, je vais vous donner quelques chiffres quand même pour vous faire prendre conscience quand même que tout ça, c'est très grave. En général, le budget sécurité en entreprise, c'est plus 15% en moyenne en France contre 25% au niveau mondial. Il faut croire que les Français, ils se disent qu'ils sont protégés de tout, même du coronavirus. 21% du budget informatique mondial est consacré à la sécurité, tandis qu'en France, il est simplement 20%. 21
21% des entreprises françaises se déclarent expertes en cybersécurité et 21% novices, contre 25% d'expertes aux États-Unis. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que les entreprises considèrent, elles se considèrent un petit peu, pas attaquées, elles considèrent qu'elles vont, elles sont vraiment protégées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe, et ça, c'est malheureux à le dire, il faut le dire en plus, c'est que la plupart du temps, les entreprises françaises, lorsqu'elles se trouvent à être rançonnées, c'est-à-dire qu'on bloque l'accès de l'entreprise au niveau informatique, schématiquement, hein, j'explique, les accès à toutes les structures outils informatiques, serveurs, périphériques et compagnie, la plupart du temps, les entreprises françaises payent. La plupart du temps, les entreprises françaises n'hésitent pas à prendre une assurance et se dire « on paye, comme ça on sera tranquille ». Le problème, ça je vais finir sur ce chiffre-là parce que je ne veux pas être trop long, quand une entreprise française est victime d'un ransomware, ce qu'on appelle la ransomware, alors ça peut être une petite PME comme Bouygues PTP, hein, je n'ai pas dit Télécom, j'ai dit BTP, Travaux Publics, qui a été l'année dernière attaquée. Et où elle a dû payer une rançon, même s'ils ont dit officiellement qu'ils ne l'avaient pas payée. En moyenne, le coût d'une attaque par ransomware, après avoir payé, ça vous coûte 913 000 euros. Je dis bien pour une entreprise, en moyenne, 913 000 euros. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui évitent de faire des sauvegardes. Tout ça, ça coûte un coût, après, pour remettre tout en marche, 913 000 euros. Je pense quand même que si les entreprises réfléchissaient, et en même temps les particuliers, parce que les particuliers peuvent très bien être attaqués, on aurait sûrement moins d'argent à sortir de sa poche pour pouvoir réparer tout ça. Voilà ce que j'avais à dire. Concernant les chiffres. Donc le ransomware est pour toi l'élément le pire qu'on puisse avoir aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur tes chiffres, j'en ai mis quelques-uns de chiffres parce qu'il y a des chiffres hyper intéressants. Alors, vous le voyez en bas, si jamais vous voulez en savoir plus sur la cybersécurité, sur la cybermalveillance, le gouvernement français a fait une chose de bien. Ils ont fait un site où ils référencent toutes les informations, les virus, les logiciels espions et les bonnes pratiques à avoir. Donc, vous allez sur cybermalveillance.gouv.fr. / ce que vous voulez, enfin déjà le début cybermalveillance.gouv.fr et vous aurez accès à énormément d'informations qui sont super utiles, donc allez le voir. Mais je vais vous donner aussi des chiffres, moi aussi, parce que j'aime bien les chiffres. C'est des vieux chiffres et j'ai fait exprès de prendre des vieux chiffres parce que en 2015, ça a coûté 600 milliards de dollars les cyberattaques, c'était énorme. Et dans ces attaques, il y a quand même 8,6 millions de ces attaques, ça a coûté 8,6 millions pour la France et près de 27 millions de dollars pour les entreprises américaines. Donc, c'est juste énorme. Et puis, si c'était que ça, je vous ai pris des chiffres qui étaient très, très loin. Donc, rapprochons-nous un petit peu. Le rançongiciel, donc comme tu disais, ou le... Ah, j'ai perdu le... Ransomware. Le ransomware, merci. Ou les attaques DDoS, les attaques par déni de service, ont augmenté en 2020, donc l'année dernière, entre 15 et 20%. Alors, c'est une fourchette parce que c'est difficile de savoir si les entreprises ne se vantent pas d'avoir été attaquées. Donc, ça a augmenté entre 15 et 20%. Ça veut dire que c'est énorme, c'est près d'un quart supplémentaire d'attaques dans une année. Donc, toutes les entreprises qui sont attaquées ou pas, qui ne nous le disent pas en tout cas, sont de plus en plus nombreuses et c'est de plus en plus risqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Tu voulais répondre à Yagelt que AXA Assurance va changer ses contrats sur les remboursements d'attaques par rançongiciel. En français, c'est dur, hein. Ransomware, merci, voilà. Effectivement. Voilà, alors oui, moi, alors, il posait la question de savoir, il disait qu'il semble que AXA, la société d'assurance, va changer les contrats sur les remboursements d'attaques sur rançongiciel. Rançongiciel, je dirais ransomware, hein. Excusez-moi, il y a Gelt. Alors oui, c'est vrai, elle est en train de changer complètement, parce qu'on s'est aperçu une chose, c'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, qui chapeaute, si on veut, qui est sous la direction du bureau du Premier ministre,
qui chapeaute tout ce qui concerne l'informatique. C'est-à-dire une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, peut faire appel à ses services pour pouvoir, quand elle est attaquée, pouvoir répondre et pouvoir remettre en marche son système. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que simplement certaines assurances, sociétés d'assurance, jouent un jeu trouble. Parce que non sans admettre qu'il n'y a pas d'autre choix rationnel, il est tentant, ça, ces déclarations, hein, il est tentant de payer quelques millions d'euros de rançon plutôt que des dizaines de millions d'euros de préjudice. Et c'est ça le problème. C'est que les sociétés, à la limite, préfèrent payer quelque chose comme ça, comme dizaines de millions d'euros, plutôt que d'avoir des quelques millions d'euros, pardon, plutôt que d'avoir des dizaines de millions d'euros de préjudice. Ça leur permet comme ça quoi ? Eh ben ça, ils s'imaginent qu'ils vont gagner de l'argent. C'est faux, parce qu'on sait très bien que toute société qui a été bloquée par un ransomware ne récupère pas la totalité de ses données. Ça, c'est obligatoire. C'est comme ça. On s'est aperçu que c'est pas obligatoire, mais la globalité des sociétés qui ont été attaquées, qui ont été bloquées par un ransomware, n'ont pu récupérer que les trois quarts de leurs données. Le reste, bah, les pirates qu'ils ont utilisés, les ont gardés, les ont effacés. Donc, si vous voulez, le ransomware est devenu quelque chose, une arme très financière déjà, puisqu'on paye les pirates, très financière parce qu'il y a un préjudice énorme derrière, et je dirais très pernicieuse. Parce qu'on dit, on pousse les sociétés, les assurances, c'est le jeu. On poussait les sociétés en leur disant, regardez, vous avez une attaque, vous occupez pas, vous inquiétez pas, même si votre service informatique, c'est une vraie passoire, eh ben, on va vous protéger, on va vous payer, vous inquiétez pas, on paye la rançon. Oui, mais derrière, il y a quand même de l'argent qui va être sorti. Et qu'est-ce qui va payer? Ben, c'est l'assurance, mais qui derrière va récupérer son argent en augmentant les primes. Ça, c'est dommage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Gégal. En tout cas, c'est plutôt clair. Et souvent, ces rançongiciels, ces attaques sont… alors, c'est une part, la DSI, le système informatique, qui n'est pas forcément mis à jour tout le temps. On a encore des systèmes d'exploitation qui datent de plusieurs années. J'ai vu des ordinateurs sur Windows 7 dans des entreprises. Je ne savais même pas que c'était pour les entreprises. Qui ne sont pas mis à jour, qui ne sont plus mis à jour parce que leur logiciel et le logiciel propriétaire fonctionne sur Windows 7 et ils ont peur de passer sur un autre système d'exploitation en imaginant que ça ne pourrait ne plus fonctionner. Donc, c'est toujours un peu compliqué de changer de système d'exploitation. Comme le dit Stéphane, en plus, payer la rançon, ça encourage les pirates, évidemment, leur donner raison que de payer. Thierry, toi, tu as des choses à dire autour de ces problématiques d'informatique, puisque tu es un peu dans le milieu de l'informatique. Est-ce que... Oui, c'est un peu mon boulot, pas sur la sécurité, mais effectivement, j'en entends parler. Et justement, il y a un point que je pensais pendant que vous donniez vos différentes analyses, que j'avais entendu chez mon ancien employeur et qui, je pense, est aussi extrêmement important. Je ne sais pas le nom d'ailleurs que ça porte, mais où ça va être un peu... un virus, mais par téléphone. Je m'explique. Le client X qui va appeler en disant, voilà, vous aviez une facture à payer, elle n'a pas été payée, etc. Et qui va mettre une pression à la personne qui est au bout du fil en disant, merci de verser directement l'argent de la facture X, Y, Z. À l'époque, j'avais eu des cours sur la sécurité où ils disaient, dans ce cas-là, c'est extrêmement important d'aller voir. Alors, désolé, j'ai toujours les termes anglais, en l'occurrence le CFO, donc on va dire le responsable financier. Dans une entreprise, on va dire, normale, j'ose espérer que personne ne sera blâmé. Si quelqu'un va aller voir son responsable financier, il va lui dire, voilà, pour moi, la facture a été payée, mais la personne m'appelle, Marcel, en disant que la facture n'est pas payée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je paye? Est-ce que je paye pas? Parce que c'est aussi une technique, finalement, d'hameçonnage. Donc de faire un espèce de spam téléphonique pour mettre la pression à la personne et où la personne, par effet de panique, par peur de ne pas avoir fait son travail, va dire « Ah bah ok, j'ai dû me tromper, très bien, je paye ». Effectivement, dans ce cas-là, l'entreprise ne peut strictement rien faire puisque c'est considéré comme un choix délibéré de l'entreprise. Donc je voulais juste rajouter cette partie-là. S'il y a des personnes qui travaillent dans la finance qui nous écoutent, je suis convaincu qu'ils ont déjà été formés à ça. Mais à partir du moment où on parle de sécurité, je pense que c'est mal de faire des petits rappels.
C'est, c'est la fameuse attaque appelée l'attaque du président, où fait. On appelle la secrétaire ou l'attachée de comment de celle qui a le portefeuille, et on la presse, on attend que le président il soit dans un autre pays, en vacances ou je sais pas quoi, et on se fait passer pour lui. C'est un nouveau président, il vient d'entrer dans la société, on reconnaît pas forcément super bien sa voix, c'est hyper pressant, comme tu le dis, et oui, c'est important. Mais même si on a un logiciel espion, si on s'en rend compte, si on notre ordinateur d'un seul coup clignote dans tous les sens, quand on est dans une entreprise, il est important d'aller voir tous les services informatiques également, leur disant je crois que je me suis fait hacker, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas laisser s'envenimer les choses et essayer de les régler dans son coin, parce que ça va être pire après. Autant jeter un ordinateur à la poubelle plutôt que la totalité de l'entreprise, à mon avis. C'est ça. Effectivement, Olivier, je vous conseille l'épisode de Tech Café également, qui était le dernier d'ailleurs, je crois, Olivier, qui est un super bon épisode où il parle de sécurité. Et puis, comme le dit Yagelt, comme souvent, l'utilisateur, la porte d'entrée du virus, bah, évidemment, c'est souvent le défaut, c'est souvent l'humain, parce que l'informatique fait souvent que ce qu'on lui demande de faire. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Hein. On ne va pas essayer de tout dévoiler tout de suite. Dis-moi, Laurent. Oui, il y a aussi l'humain, mais il y a aussi, je dirais, des fois des mises à jour qui ont été faites de manière volontaire. On a eu des exemples encore dernièrement où une mise à jour d'une application, ça se passait aux États-Unis, qui était verrouillée. On avait l'humain a été complètement bluffé parce qu'il s'est cru mettre une mise à jour. En fin de compte, les pirates, les malfaisants, je vais les appeler. Parce que moi, les pirates, moi, ça me fait toujours penser à Bob l'éponge avec... oui, je sais, j'ai peut-être mon âge, mais j'ai écouté, je regarde encore des fois de temps en temps Bob l'éponge, et je sais qu'il y a un pirate qui apparaît à un moment donné. Et donc, moi, je préfère les mots malfaisants. Pour pas dire un autre mot qui commence par un C et qui finit par un D. Si vous savez faire le Scrabble, vous verrez un petit peu ce que ça peut donner. Moi, je considère que c'est, je sais plus où j'en étais, si, je considère quand même que ces personnes-là, on peut intentionnellement, avec un logiciel qui croit tout à fait normal, eh ben, on peut télécharger une nouvelle version d'un logiciel qui comporte des portes d'entrée. Alors là, c'est autre chose. Hein. C'est quelque chose qui a été fait involontairement. Mais ouais, volontairement... On a eu le cas chez Microsoft. Enfin, c'est une application qui a été validée par Microsoft. Mais c'est une erreur humaine qui a fait qu'ils ont validé sans s'en rendre compte une application qui était vérolée ou pas. Enfin, on ne sait pas vraiment si elle est vérolée, elle permettait de tricher sur certains jeux vidéo. Mais donc ça a été validé quand même par Microsoft. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un virus, les dangers que ça peut amener, il est temps de parler d'un truc qui nous intéresse tous. Faut-il un antivirus sur Chrome OS ou Chromebook? Alors ça, c'est une question qui est très, très large, très vaste. Et comme je disais en préambule, souvent... un canard, effectivement, Stéphane. On me l'amène très souvent. Et pourquoi on me l'amène? C'est parce que vous allez acheter... Je vais pas nommer de magasin, mais vous allez acheter un Chromebook dans un magasin et ils vous vendent une solution de protection sur votre ordinateur. Alors, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Eux vont vous dire oui. Nous, on est plus pondérés. On va essayer de vous répondre, mais en expliquant pourquoi nos réponses sont là. Donc, il faut savoir que sur Chromebook, sur Chrome OS principalement, puisque c'est pas uniquement sur Chromebook d'ailleurs, sur Chrome OS, il y a 4 degrés de protection sur le système d'exploitation à proprement parler. Et ces quatre systèmes de sécurité ont été pensés depuis le départ, au moment de la création du système d'exploitation, par Google pour protéger au maximum les utilisateurs. Et ces 4 systèmes, vous ne pouvez pas les louper. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de vous. C'est automatisé et c'est Google qui le définit complètement dès le départ. Alors, quand on parle de système, je vais vous en donner un déjà et on va en parler un petit peu. Il y a le démarrage vérifié. Thierry, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu du démarrage vérifié ou j'embraye dessus? Non, le démarrage vérifié, en gros, c'est
c'est que lors du démarrage du Chromebook, le système va vérifier qu'en gros le système est sain, c'est-à-dire qu'il a une manière d'analyser le contenu, va vérifier si effectivement ce contenu est correct, donc en gros correspond à ce qui est initialement prévu. Si tel est le cas, tout va bien. Si tel n'est pas le cas, bon, en fait, il va démarrer sur, on va dire, une espèce de copie du système. J'essaie de ne pas être technique, mais sur une copie du système qui, elle, est saine et va, d'une certaine manière, mettre le précédent système en quarantaine. C'est exactement ça, c'est que Google, à chaque fois que vous redémarrez votre Chromebook, alors quand vous le redémarrez complètement, hein, pas quand il sort de la veille, mais quand vous redémarrez complètement votre Chromebook, il compare juste deux systèmes d'exploitation, il va garder celui qui juge bon. Donc si le nouveau avec les nouvelles modifications sont conformes à celui que Google a défini, vous allez redémarrer dessus, sinon vous allez redémarrer automatiquement sur l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne prend pas plus de temps pour l'utilisateur. Vous mettez 6 secondes à démarrer votre Chromebook, que ça soit sur l'un ou sur l'autre. C'est ça qui est amusant. Donc, du coup, vous ne le savez pas. Vous ne savez même pas que vous avez été attaqué. Et encore, hein, on parle de démarrage vérifié, mais encore faut-il que le virus, le spyware ou toutes les autres choses se soient installées. On en parlera un petit peu après. Laurent, toi, le démarrage vérifié, est-ce que tu as déjà pu le vérifier, toi? Ou c'est quelque chose que tu n'as jamais vu et du coup, tu n'y crois pas? Ah ben moi, c'est pas bien difficile. Moi, tous les 24 heures, j'utilise des Chromebox, j'utilise aussi des Chromebooks, mais j'utilise une Chromebox. Je me suis créé un petit bouton dans la barre de menu des favoris de Chrome. J'appuie dessus, restart, pouf, ça me le relance. Je suis tranquille. Comme ça, je suis sûr. Parce que faut pas se leurrer. Tout ce que nous sommes là. On utilise notre Chromebook, on est bien content, on arrive le soir, pouf, on le branche. On ne l'a pas éteint, faut se le dire, parce qu'on se dit, ah oui, mais attends, j'ai une fenêtre, ceci, cela, je me la garde pour demain. Hein, on n'a pas oublié, hein, ça le fait, ne me dites pas le contraire, ça le fait. On a le branché, on le branche, le lendemain, on ne l'a toujours pas éteint, il est toujours en veille, crac, on le rouvre, on travaille dessus 12 heures, on arrive le soir. En déplacement, on rentre à la maison, on ferme le clapet, hop, et on le rebranche. Puis comme ça, ça dure des jours. Moi, je suis typiquement dans ton cas, hein, dans ce que tu dis, hein, Laurent, je n'éteins jamais mon Chromebook, donc le démarrage vérifié, je ne suis pas un bon élève, je le fais quand je fais des mises à jour, parce que j'éteins mon Chromebook à ce moment-là, ou quand je suis vraiment en cours de batterie, mais malheureusement, avec un Chromebook, c'est assez rare d'être à court de batterie. Donc du coup, c'est un premier conseil qu'on pourrait donner à tout le monde, finalement. Vous n'utilisez pas votre Chromebook plutôt que de le laisser en veille, éteignez-le. Ou alors, vous faites un redémarrage. On a créé, j'ai écrit un article là-dessus, comment relancer automatiquement son Chromebook. On mettra le lien ou on ne mettra pas le lien. Vous cherchez un peu. On mettra le lien. Vous tapez restart, vous mettez ça dans votre bookmark, vous mettez ça, toc, le soir, vous arrivez, vous vous couchez, vous faites n'importe quoi, pouf, terminé, il y en a pour 6 secondes. Voilà. Est-ce qu'avec une solution via Cloud Ready, on a aussi ce type de vérification? Est-ce que vous avez la réponse, Thierry ou Laurent, sur Chrome, Cloud Ready, est-ce que on a ce démarrage vérifié? Vous le savez. Sans garantie, j'aurais tendance naturellement à dire oui, parce que je pense que c'est ancré dans le système. Cloud Ready, faisant une installation du système, certes par une espèce de machine virtuelle, mais bon, ça reste la même idée. Pour moi, la réponse est oui, mais sans garantie absolue. Je te rejoins, comme ça, si tu te trompes, on est deux à se tromper. Donc, comme c'est ça, gentil d'être solidaire. Solidaire, ouais. Voilà. Ça, c'était le premier point, le démarrage vérifié qui est hyper intéressant. Google se charge de vérifier que vous n'avez pas chopé un virus, un malware ou quoi que ce soit qui est inintéressant pour le bon fonctionnement de son système d'exploitation. Un petit point, Nicolas, qui n'est pas lié à la sécurité, mais c'est juste une question posée. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui permet la solution quand d'un coup, il y a éventuellement, ça n'arrive pas souvent, mais un message d'erreur ou bien comme ça, typiquement au démarrage où le Chromebook dit « Ah ben, il faut installer le système, etc. » qui fait qu'en fait, le fait de l'éteindre et de rallumer fait que… C'est ça. Souvent, effectivement, quand on est sur la page, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, son Chromebook, alors ça arrive rarement, enfin moi je le rencontre
plus souvent que certains d'entre vous, parce que vous le savez peut-être tous, tous mes ordinateurs sur Chrome OS sont en canal dev, et certains même en Canary, donc ne faites surtout pas Canary. Hein. Et de temps en temps, on a l'ordinateur qui plante et qui redémarre sur système d'exploitation endommagé, veuillez réinsérer la clé USB, tout ça, tout ça. En fait, il suffit juste d'éteindre pour la plupart du temps. Alors, si le disque est endommagé complètement, bon, bah là, on pourra pas faire grand-chose. Hein. S'il a pris un coup, il a pris un coup. Hein. Il suffit d'éteindre. Donc, on a un appui long sur le bouton Power de votre Chromebook et il va redémarrer directement sur le bon système d'exploitation. Donc, la plupart du temps, ça fonctionne. Je vais pas vous dire à 100% du temps puisque, voilà, encore une fois, s'il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes techniques. Mais la plupart du temps, ça fonctionne. Donc, oui, Thierry, tu as raison. C'est en partie lié au démarrage vérifié. On continue, on a une autre chose qui est intéressante, c'est l'encodage de données. Ça, je vais peut-être laisser la main à Laurent sur l'encodage de données, puisque tu nous expliquais avant l'émission ce que c'était, donc je te laisse la main sur l'encodage de données. L'encodage de données, merci de m'avoir posé la question, comme auraient dit les hommes politiques. Eh ben, l'encodage de données, c'est simplement le fait que toute donnée que vous utilisez, toute donnée que vous créez, qui est enregistrée sur votre Chromebook, ce que je n'espère pas, est encodée. C'est-à-dire qu'elle est, il y a un encodage de la donnée qui se fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un encodage des données. La liaison entre votre Chromebook, à partir du moment où vous communiquez avec Google Drive, qui se fait automatiquement. Il faut bien se dire une chose, c'est que votre connexion entre Google, quand je dis connexion, c'est-à-dire votre liaison entre votre Chromebook, votre appareil sous Chrome OS, on va être plus simple, et votre espace Google Drive est crypté. Toute la communication se passe que le malfaisant ou le canard, comme disait un des intervenants, le canard qui se trouve à essayer de renifler, parce que ça existe aussi pour de renifler, pour les avions renifleurs de l'époque où il y avait une recherche de pétrole. Non, les renifleurs, ils peuvent renifler, c'est-à-dire ils peuvent recevoir des ondes électromagnétiques que vous émettez avec votre ordinateur, sauf si vous êtes dans une cage de Faraday. Donc, toutes les liaisons entre votre Chromebook et Google Drive sont crypté. Donc, encodage d'un côté, c'est-à-dire tout ce que vous tapez lorsque vous tapez, par exemple, et que vous allez sur votre Chromebook et que vous allez l'enregistrer sur celui-ci, c'est encodé. Et la liaison entre Chromebook et Google Drive est cryptée. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, moi, j'ai tout compris. Je vais résumer plus simplement pour les gens comme moi qui ont du mal à comprendre. Mais moi, tu me l'as déjà expliqué plein de fois, donc j'y suis arrivé. En gros, je ne laisse rien sur le disque dur de mon Chromebook. Ah, je bascule tout sur mon Drive. Comme ça, j'y accède depuis n'importe quel ordinateur, n'importe quand. Il suffit juste de connecter à mon identifiant, à mon adresse mail gmail.com ou nom de service et mon mot de passe pour accéder à nouveau à tout ça. Tout ça, c'est chiffré. Et tout ce qui est stocké sur mon Chromebook, lui, est crypté. Comme ça, s'il y a quelqu'un, un malfaisant, comme tu le dis très bien, réussir à récupérer l'accès à mon Chromebook distant, il ne pourra pas voir ce qu'il y a dessus. En tout cas, il trouvera des fichiers qui sont complètement cryptés. J'ai bon ? Tout à fait, docteur. Merci beaucoup. Thierry, est-ce que tu es d'accord avec le système d'encodage de données ? Oui, je vais juste rajouter une toute petite chose. Mais qui rejoint tout à fait ce que vous venez de dire, c'est que ça marche aussi, enfin, ça permet aussi, en plus de s'il essaye de récupérer les données, s'il essaye de sortir le disque et de le brancher ailleurs. Parce que c'est encrypté au niveau du disque. Donc, du coup, on ne peut pas sortir le disque, le brancher ailleurs et lire le contenu. Enfin, on peut lire le contenu, mais comme c'est crypté, en gros, ce n'est pas lisible. Ça, donc encore mieux. Donc du coup, même si je revends mon Chromebook d'occasion ou si je l'envoie à la déchetterie, personne n'aura accès à mes informations, personne. Donc ça, c'était le deuxième point, l'encodage de données. Le troisième point, c'est le sandboxing. Le sandboxing, c'est un système, alors je vais en parler parce que je l'aime bien ce truc-là, c'est un système qui permet de... Il faut qu'il y ait bien les bacs à sable. Moi, j'aime bien les bacs à sable, faire des petits châteaux de sable, tout ça, je trouve ça génial. Mais le sandboxing, ce qui est intéressant, c'est que chaque ouverture d'application, enfin chaque
process d'application ouvert dans votre Chromebook. Vous ouvrez un onglet Chrome, vous ouvrez une application Android, une application Linux, tout ça en même temps. Si elle venait à être vérolée, si le logiciel qui tourne en tâche de fond sur ce process-là est vérolé, il n'a jamais l'accès à d'autres systèmes. Donc, jamais il n'ira taper dans Chrome, dans un navigateur Chrome ou dans un onglet Chrome qui est ouvert à côté. Il n'ira pas vérifier ce que vous êtes en train de taper. C'est comme s'il y avait un mur entre lui et l'autre système. Il n'a pas d'accès à la mémoire de votre ordinateur. Il n'a pas non plus d'accès à votre webcam ou à d'autres choses. Donc, tout est containerisé, je dirais. Tout est mis dans des bacs à sable. Je ne sais pas si je suis clair, mais moi, je trouve ça génial le fait que, en fait, si tu as un problème, si, admettons, pour être simple, s'il y a une application qui fige, qui freeze, il suffit juste de la fermer avec la croix, ça n'a pas impacté les autres. Donc, simplement pour parler de problèmes techniques. Donc, s'il y a un virus, c'est la même chose, ça n'impactera pas les autres. Est-ce que Thierry, est-ce que j'ai été clair dans l'histoire? Parce que je suis tellement enthousiaste du Sunboxing que des fois, je m'emballe. Non, on est entièrement d'accord. Par rapport au terme que tu cherchais, j'aurais dit en fait chaque application isolée. Ah, exact, isolée, ouais. Donc simplement, c'est un peu comme si on, schématiquement, c'est comme si on dirait chaque application vit dans une pièce. On a notre salle de bain, notre chambre, notre salon, notre cuisine. Ben, c'est comme si chacune des applications vivait dans l'une de ces pièces et que les pièces ne sont pas communicantes. Eh ben, c'est tout à fait, c'est mieux expliqué que moi, donc la prochaine fois je te laisserai la parole. Merci Thierry de me tourner en ridicule. Une question intéressante de Stéphane, la clé de cryptage, est-ce que c'est le mot de passe du compte Google? Est-ce que vous avez une idée de ça? Non, c'est pas la clé de cryptage, je sais pas ce qu'il entend par la clé de cryptage, parce que le mot de passe, si on veut… le login password, c'est deux identifiants en fin de compte. D'un côté, on a Google qui a créé, parce qu'on peut s'appeler, on peut avoir un toto.com@gmail.com. Il faut savoir qu'on aura toto.com. Il n'y aura pas le toto.com@gmail.com. Le point n'existe pas avant là. Il faut le savoir. La clé pour chiffrer les données, non, oui. Pas du tout. La clé pour chiffrer les données, non, ça n'a rien à voir entre le mot de passe du compte Google, on dit oui, ou Gmail, oui, bon, c'est pareil, Google. Oui. Maintenant, il ne faut plus dire Gmail, ça frise quelques-uns. Il faut dire un compte Google. Donc, on ne retrouve pas la même information. Voilà. Très bien. C'est complètement séparé. Et heureusement, parce que c'est un identifiant. L'identifiant ne peut pas être une clé de cryptage à ce niveau-là. Parce Merci. Que sinon, ça pourrait être. Je finis là-dessus. Sinon, oui. ça peut être dangereux. Je récupère des données à ce niveau-là. Je peux deviner l'identifiant, le login et l'identifiant du compte Google, c'est grave. On est d'accord. Donc, le sandboxing, encore une clé de la protection des Chrome OS et des Chromebooks. Je vous en dis qu'il y en avait quatre. Allons-y, gaiement, sur la quatrième. Bah, vous la connaissez tous, Google communique beaucoup, de la façon Google évidemment, sur les mises à jour de son système d'exploitation. Donc, j'ai appelé ça des mises à jour OTA, over the air. Donc, pour faire simple, elles sont complètement automatisées. Vous le savez, si vous avez déjà un Chromebook, un Chrome base, enfin un produit sur Chrome OS, vous n'avez rien à faire. Jamais votre ordinateur vous mettra un pop-up en plein milieu de votre écran en vous disant une mise à jour est à faire, cliquez sur OK et attendez 25, 30 minutes, une demi-heure, voire plus. Ouais, tu parles de qui là? Je ne parle de personne. Je dis juste que lui ne le fera jamais. D'accord. Ah bon c'est... Pourquoi non, il y en a d'autres? Il y en je a sais d'autres pas. Qui le font. Je ne sais pas, je ne veux même pas le savoir. Je n'entends rien. Donc, sur Chrome OS, en fait, vous avez une petite notification qui apparaît en bas à droite de votre écran sur l'étagère qui vous stipule simplement que vous avez une mise à jour qui a été téléchargée et prête à installer. Il suffit de cliquer sur « Redémarrer » pour que l'ordinateur redémarre en 6, allez, on va dire 8 secondes peut-être, avec la mise à jour complète faite de l'ordinateur.
Donc, les mises à jour sont poussées sans que vous les voyez à la vitesse de votre connexion Internet. Donc, pour garder l'usage de votre Chromebook, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de charger quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que par défaut, elles sont bloquées quand vous êtes sur de la data, sur un forfait mobile 4G, 3G, 5G, peu importe. Google l'a bloqué parce que en France, on est bien loti, on a des opérateurs qui nous donnent quand même beaucoup de fair use sur nos forfaits mobiles. C'est pas le cas partout dans le monde. Donc Google a décidé de bloquer les mises à jour OTA et c'est à nous d'aller demander cette mise à jour. Une fois qu'on a redémarré, il faut savoir que les mises à jour chez Google maintenant, enfin sur Chrome OS, c'est toutes les 4 semaines. Toutes les 4 semaines, on reçoit une nouvelle mise à jour. C'est juste exceptionnel. C'est le système d'exploitation le plus souvent mis à jour. Mais quand je dis le plus souvent, c'est le plus souvent. J'en connais aucun. Non, je n'en connais aucun qui ait fait des mises à jour aussi fréquentes. Et ces mises à jour, c'est pas toujours que des mises à jour mineures. Hein. On se retrouve avec des mises à jour, avec des fonctionnalités qui ont apparu comme ça du jour au lendemain, qui pourraient être considérées comme des mises à jour majeures sur d'autres systèmes d'exploitation. Et enfin, un dernier point, Google garantit, alors depuis peu, donc certains vont tomber dessus en me disant « oui, mais mon Chromebook, il n'est plus mis à jour ». Oui, alors depuis 1 an et demi, 2 ans, Google garantit la mise à jour de ses Chromebooks pendant 8 ans. Il dit « pendant 8 ans, on vous fait des mises à jour OTA sans que vous sachiez rien. Et si on peut faire plus, on fait plus, parce que certains ordinateurs ont encore été mis à jour dernièrement ». Et alors que ça faisait déjà 7, 8 ans, 9 ans qu'ils étaient existants. Et on l'a vu avec notre rédacteur Gaëtan qui s'est retrouvé avec Linux sur un ordinateur C302C de chez Asus qui était plus mis à jour et qui se retrouve maintenant avec plein d'autres choses. Ah, Dominique nous dit que Fedora fait c'est quasiment tous les jours. Dis donc, ils en font beaucoup quand même des mises à jour. Mais c'est bien, tant mieux, plus il y a de mises à jour, mieux c'est. Après, peut-être en faire tous les jours parce que trop de mises à jour, tu l'as mise à jour. S'il y a un bug, ça peut être un peu fréquent. Donc voilà, pour moi, c'est une des forces de Chrome OS et de Fedora, donc de Linux, peut-être. D'ailleurs, Chrome OS est basé sur Linux, donc ça ne m'étonne pas non plus que Linux ait déjà un système à peu près équivalent. Donc, une mise à jour automatique sans aucune manipulation, il suffit juste de rebooter son ordinateur. Une mise à jour toutes les 4 semaines et puis une mise à jour garantie pendant 8 ans. Donc, ça peut nous laisser un petit peu de marge avant de se dire que notre Chromebook risque d'avoir des problèmes, des virus, des spyware et compagnie. Est-ce que j'ai bien expliqué, Laurent, ce que c'est qu'une mise à jour OTA et les mises à jour sur Chrome OS ? Oui, tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus que il y a une nouvelle façon de travailler qui va se présenter avec la crosse. C'est-à-dire que Google est en train de développer la crosse. Alors, c'est le nom actuel, hein. Il ne faut pas se dire « Ah, oh, je ne me souviendrai pas de la crosse ». Non, actuellement, c'est la crosse qui va te permettre d'avoir des mises à jour du navigateur quand le Chromebook ne sera plus mis à jour. C'est-à-dire que vous avez un Chromebook qui, ça fait 2 ans, qui ne peut plus utiliser, qui ne peut plus avoir de mise à jour. Quand la crosse sera mise en place, eh ben, automatiquement, tout ce qui concerne le navigateur, la crosse ou le Tartampion, je ne sais pas son nom, qu'il aura à ce moment-là, il sera mis à jour. Ça vous permettra quand même d'avoir des sécurités. On parle de sécurité. Pensez bien à une chose, c'est que vous-même, vous pouvez faire votre sécurité. Ça, je vais y venir, Laurent. On va y venir. Je vais rebondir sur ton Lacrosse, Laurent. Il est lié à Linux qui est arrivé sur les Chromebooks. Lacrosse, ça veut juste dire Linux and Chrome OS. Voilà, c'est l'acronyme qu'ils ont utilisé. Et donc, c'est le navigateur Chrome qui va passer sur les Chromebooks, même quand ils seront plus mis à jour, pour avoir, si le système d'exploitation n'est plus mis à jour parce que les composants sont trop anciens ou on ne peut plus les maîtriser, au moins la sécurité sur Internet sera toujours présente. Et ça, c'est super important de le dire. Donc, la crosse arrive. Si vous le voyez, c'est une icône de Chrome, du navigateur Chrome, mais toute jaune, un peu façon icône du Canary de chez Chrome. Donc oui, c'est une bonne idée, comme dit Dominique, pour prolonger la vie des Chromebooks. Et avec ça, on va aller très, très loin.
Donc du coup, si on résume, on a nos quatre protections qui font que nos Chromebooks sont plutôt déjà pas mal protégés. Du coup, moi, je vais aller un peu plus loin. Non, on va peut-être s'arrêter là. Est-ce qu'on peut répondre à la question, Thierry ? Est-ce que tu peux répondre à la question ? Est-ce qu'on a besoin d'un antivirus ? Ou est-ce que tu as encore besoin d'explications pour répondre à cette question qui brûle toutes les lèvres ? Du coup, comme on a expliqué, je pense que c'était important de donner toutes ces explications. Et sur le coup, là, c'est pas pour ce que je vais dire, c'est pas pour tacler qui que ce soit, mais comme tu l'as dit au départ, la manière dont le système a été créé, a été pensé, c'est justement pour, et je vais employer mon expression favorite du moment, qui est pour que finalement Chrome OS soit utilisé comme un service et pas comme un produit justement qu'on doit mettre à jour, etc. Donc, dans le cas où ça doit être mis à jour, comme on l'a dit, c'est fait automatiquement. D'ailleurs, petit message aux développeurs Google qui nous écoutent, à titre personnel, vachement bien quand on a la notif de mise à jour, de savoir vers quelle mise à jour ça irait, pour savoir si c'est une version majeure ou mineure. Ça, c'est un petit message personnel en passant. Mais effectivement, il y a moins de restrictions. On n'a pas parlé, par exemple, des applications Android, mais c'est un peu la même idée quand on parlait de l'isolation des applications. C'est le même principe. Donc, du fait que le système est pensé sur un aspect sécurité, à ce moment-là, effectivement, le principe des antivirus n'a pas de sens. Attention, ça ne veut pas dire pour autant, parce que je n'ai pas envie après qu'on soit des messages du style « et à juste titre, oui, mais il y a d'autres systèmes pour lesquels on a dit qu'il n'y avait pas besoin d'antivirus et finalement, ils commencent à en sortir ». Je pense typiquement à Apple où on commence à voir des antivirus arriver. Oui, c'est une réalité. Donc, peut-être que demain, il faudra peut-être mettre en place certaines solutions. Mais à l'heure où on parle par rapport au message, par rapport à la manière dont on utilise nos Chromebooks, il y a effectivement peu de risques. Il y a juste un point, je ne sais plus si on en parlera après, mais c'est important quand même. Attention, c'est sous réserve d'utiliser les manières standards d'utilisation du Chromebook. J'entends par là. Bien sûr. L'installation d'une application APK, par exemple. Donc pour ceux qui ne savent pas, les APK, c'est en gros les applications Android, mais que vous ne prenez pas de par le Play Store. Forcément, si vous allez chercher une APK sur le net et que vous l'installez sur votre Chromebook, bon, déjà, de toute façon, il y a quelques manipulations à faire. Ça ne se fait pas instantanément. Mais forcément, là, c'est ce qu'on appelle des sources inconnues. Et donc, forcément, dans ce cas-là, il y a un risque. Alors, je vais rebondir dessus, justement, Thierry. Effectivement, on n'a pas parlé des applications Android et donc de Chrome, du Play Store. Mais tu as raison de le signaler parce qu'en fait, Google a, donc si vous avez un smartphone Android ou un Chromebook avec le Play Store, a instauré une protection via le Play Store également. On a une fonctionnalité qui s'appelle Google Play Protect qui est intégrée dans le Play Store qui vérifie toutes vos applications Android, qu'elles soient installées ou au moment où vous les installez. Elle vérifie aussi les APK. Donc, même si elles sont déjà installées, il va aller voir que c'est une application Android et il va aller checker ceci pour vérifier si elle est bien ou pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, elle ne vous a pas piqué toutes vos données, hein, l'APK. Hein. Mais d'ailleurs, Google a une réponse à ça, hein, puisqu'ils vont abandonner les APK pour les AAB, un autre format prochainement qui devrait complexifier un peu la vie des développeurs, je pense, simplifier notre vie, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, ça on en reparlera, mais oui, ça serait le cinquième point, Google Play Protect protège nos Chromebooks, même sur des applications Android. Donc, merci Thierry de l'avoir signalé. Alors, on peut aller un peu plus loin parce que, donc tu n'as pas répondu, aujourd'hui, c'est oui ou c'est non l'antivirus ? Pardon, j'étais en mute. Non, pour moi, à l'heure actuelle, c'est non, parce que ça va plus alourdir le système. Il en existe. Si vous regardez typiquement sur le Play Store, il en existe. Mais par exemple, sur le Play Store, ça va vérifier que les applications liées au Play Store, ça ne va pas vérifier, par exemple, les applications Linux. Donc sinon, il faudra un antivirus lié à Linux, un antivirus lié au Play Store, dans l'absolu au Chrome Web Store. Aujourd'hui, de toute façon, on n'entend jamais parler d'antivirus pour Chromebook.
et je pense que la majorité de nos auditeurs utilisent déjà un Chromebook, n'ont jamais eu de soucis, mais pour les raisons qu'on a expliquées précédemment. Ok, merci. Donc, c'est non pour toi, Thierry. Pour Laurent, c'est oui ou non un antivirus en quelques mots ? En quelques mots, c'est non. Voilà. Ok, c'est bien. C'est très concis, mais au moins, c'est clair. Pour moi également, c'est non. On est assez protégé. On est assez protégé. Aujourd'hui, dans les cas où on ne fait pas de zèle, hein, comme tu le disais, Thierry, essayez pas d'aller chercher des applications qui n'existent pas. Mais on va aller encore plus loin dans la protection parce que on a quelques conseils à vous donner. Parce que c'est bien que Google fasse le nécessaire pour nous protéger, mais très souvent, comme on le disait tout au début, le problème, c'est pas forcément le système d'exploitation, ça peut être l'utilisateur. Donc, on a quelques points à vous donner. Moi, j'en ai un que j'aime bien. Ne cliquez pas sur un lien dans un mail. Vous recevez, on vous parlait du SIM swapping tout à l'heure, votre opérateur vous dit que vous n'avez pas payé la facture, ne cliquez pas sur le lien. C'est pas parce qu'il y a écrit SFR, Orange, Bouygues ou Free dans le mail que vous allez être redirigé sur le bon site web. On est sur des liens URL et on peut vous renvoyer où on veut. Et Free avec 4 E, je pense que le nom de domaine ne doit pas exister. Donc, je peux peut-être acheter free.com et vous faire le même site internet que l'opérateur en vous en croire que vous êtes au bon endroit. Donc, si vous avez un mail de ce genre-là, ne cliquez pas. Aller directement chez votre opérateur, que ça soit Télécom, EDF, n'importe quoi. Je pense que c'est un conseil qui est simple à suivre. Donc, allez-y par vous-même, par vos propres moyens. C'est beaucoup plus simple. Vous me coupez, hein, Laurent, oui. Thierry, si vous voulez. Oui, juste un point sur ça, très rapide. Également à faire attention, parce que de plus en plus, on reçoit aussi des liens, mais qui sont des... Alors, je ne suis plus sûr du terme, des liens raccourcis. Ah ouais, avec Bitly ou des choses comme ça qu'on utilise de temps en temps. G-O-O.G-E, etc. Ce qui fait qu'en plus, dans ce cas-là, l'astuce qui n'est pas déjà parfaite, mais qui se dit de regarder le contenu de l'URL, là, c'est encore faisable. Et en plus, il y a des redirections. Dans tous les cas, c'est compliqué. Si vous avez un mail, comme disait Nicolas, disant que votre facture de câble n'est pas payée, et que vous avez un doute, le plus simple, ça reste encore naturellement d'aller sur le site de votre fournisseur et puis d'aller vérifier. De toute façon, si la facture n'est pas payée, il ne vous manquera pas de mettre un beau panneau rouge, à mon avis, à la connexion. C'est ça. Et pareil pour votre banque et ainsi de suite. Deuxième chose que je prône très, très souvent, supprimer les extensions ou les applications que vous n'utilisez plus ou que vous n'utilisez pas. Je vais vous donner un truc que j'ai fait qui n'était pas bien. J'ai fait un test. Il y avait une extension Chrome qui était sur le Chrome Web Store. Elle avait 1500 utilisateurs. Une application toute basique, hein, c'est une icône sur laquelle on cliquait et on avait un flux d'actualité. Il y avait 5 ou 6 liens les uns derrière les autres qui redirigeaient vers des sites web classiques. Rien de méchant, un truc plutôt sympathique, très propre, le code très simple. Et le développeur, ça faisait plusieurs mois, je ne voyais plus rien faire du tout dessus. Donc moi, je lui ai proposé de lui racheter son extension. En tant que bon hacker, je lui ai racheté son extension une bouchée de pain et j'ai modifié le code source. J'ai modifié le code de l'extension. Alors, je ne suis pas un méchant, donc j'ai juste rajouté un peu de pub dedans pour me dire si je la rachète, il y a 1500 personnes, s'ils vont tous les jours, j'ai peut-être gagné un peu d'argent. Et puis, j'ai poussé la mise à jour. Et ce qui est intéressant, c'est que les extensions se mettent à jour sans rien vous demander. Ça, c'est bien quand même. Et du coup, tout le monde avait ma petite publicité qui apparaît. Donc, je l'ai laissé une semaine et j'ai mis fin à l'expérience en disant à toutes ces personnes-là que finalement, j'avais déjà pénétré un petit peu leur ordinateur sans même qu'ils le sachent. Et pour la plupart, ils l'utilisaient ou pas. En tout cas, elle était installée sur leur ordinateur, Chrome OS ou peu importe. Hein, ça marche aussi sur du Windows, du Apple. Donc, si vous n'utilisez pas une application, une extension, je vous invite à la supprimer purement et simplement. Si vous l'utilisez peu, il sera bien temps de la retélécharger plus tard. Mais gardez pas quelque chose qui va alourdir d'une part votre ordinateur, en termes de capacité mémoire, mais en termes de puissance, et en plus peut-être vous voler vos données lorsque vous surfez sur internet. Bon, Thierry, au début à la préparation, tu m'as dit que maintenant effectivement quand on accède à des données particulières via une extension, Chrome nous demande l'accès en tant qu'utilisateur, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, on va avoir une gestion d'autorisation maintenant qui est faite sur les extensions, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais en deux mots, dans la même idée, et là, je déborde un peu des, enfin, quoique partiellement des Chromebooks pour arriver dans le monde Android,
Pensez aussi sur vos téléphones quand vous installez une application, donc vous avez toujours une liste d'autorisation à valider. Posez-vous la question, est-ce que ça a de l'intérêt? Exemple, est-ce qu'un client mail a un quelconque intérêt à avoir accès à la localisation? Comme ça, de base, j'ai envie de dire non. C'est ça. Donc voilà, je ne veux pas rentrer plus dans le détail parce que sinon, on est reparti pour un quart d'heure de discussion. Mais en tout cas, quand il y a des messages, alors oui, c'est agaçant, d'autant plus quand on change de téléphone, quand on installe un nouveau Chromebook, quand on installe les applications Android, il y a tout un enchaînement d'autorisations. Ce n'est pas fait pour ennuyer, même si effectivement, je conçois que ce le soit un petit peu, mais voilà, simplement en se posant un petit peu la question, ça permet de limiter les accès. Et si potentiellement une application se bloque parce que vous n'avez pas autorisé un accès X, Y ou Z, posez-vous la question, est-ce que c'est normal ou pas que cette application bloque? Si vous jugez que ce n'est pas normal, genre comme je disais, un client mail qui ne fonctionne plus parce que vous avez bloqué l'accès à la localisation, je vais dire n'utilisez pas ce client mail, c'est louche. On est d'accord. On va continuer. On ne connectez pas un périphérique externe inconnu. Vous recevez une clé USB à Noël dans votre boîte aux lettres de, on ne sait pas vraiment qui, évitez de la brancher sur votre ordinateur. On ne sait pas ce que ça peut faire. Ça peut être même pas à Noël, hein, d'un ami qui est d'un ami, d'un ami, d'un ami, que ça, vous ne savez pas éviter. C'est ça. Donc, il n'y a pas de question là-dessus. Moi, perso, quand on me donne une clé USB, et j'en reçois beaucoup, hein, parce que j'ai les constructeurs qui m'envoient les dossiers de presse, des fois, sur une clé USB. Pour les constructeurs, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la peine. Je ne l'ouvre pas. Envoyez-le moi par mail ou je sais pas quoi, mais j'ouvre pas la clé USB. Google Drive, très bien. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Alors, je suis sur un Chromebook, ça va pas lancer le logiciel tout seul, mais au cas où j'ai l'idée de l'installer sur un ou de la donner à quelqu'un parce que c'est une planche de surf ou je sais pas, une bouteille, le faites pas. Un autre petit conseil que je donne assez fréquemment, ne laissez pas votre ordinateur sans surveillance. Encore une petite tranche de vie. Je prends le train très souvent. Je suis assis côté aller à droite du train. Et de l'autre côté, face à moi, j'ai une personne côté aller également qui a son ordinateur qui est très sécurisé avec une clé de sécurité professionnelle. On voit, hein, ses mails sont importants, ça a l'air important. Et puis, ce monsieur décide de se lever parce qu'il reçoit un coup de fil. Et pendant une demi-heure, son ordinateur est sur la session ouverte à tout vent. J'aurais pu faire tout ce que je voulais sur son ordinateur. Donc là, finalement, s'il y avait eu une faille informatique dans son entreprise, je pense que c'était lui la faille, parce que laisser son ordinateur ouvert à tout vent, ce n'est pas une très, très bonne idée. Dans certaines entreprises, on en fait un challenge. Celui qui fait l'erreur doit payer des choses. Hein. C'est ça, Thierry? Ouais, en fait, où je travaillais avant, on avait pour habitude, mais pour un petit peu faire, on va dire, réveiller les consciences. À l'époque, j'étais responsable d'équipe et on s'était mis une espèce de challenge en disant à la personne qui oubliait de bloquer son PC avant de partir, bon, on allait sur sa boîte mail, on mettait un petit mail envoyé à toute l'équipe en disant « Je vous aime beaucoup, demain, je vous offre les croissants. » Ah, c'est lui, tu te connectais sur sa propre boîte mail et tu l'envoyais à toute l'équipe. Exactement. Ah, c'est une bonne idée. Tiens, je vais faire ça demain. je vais devenir obèse. Un autre petit point. Ah oui, c'est une phrase qu'on aime bien. Enfin, moi, j'aime bien. Si vous n'avez pas joué, vous n'avez pas gagné. Non, vous n'avez pas gagné un iPhone 13. Déjà, ça n'existe pas. Surtout parce que vous n'avez pas joué, en fait. Hein, c'est con, hein, mais si vous n'avez pas joué, vous ne pouvez pas gagner. C'est impossible de partir en voyage gratuitement. Vous ne pouvez pas avoir reçu un mail, vous avez été tiré au sort. Mieux encore, je suis tombé l'autre fois sur un site web. Je suivais un lien et je suis tombé sur une page, vous l'avez tous déjà vu, je suis sûr, où, oh, félicitations, sur la page web, hein, il me disait, félicitations, vous avez été tiré au sort, vous êtes le 1500e utilisateur de ce lien web. J'ai plus l'impression d'être pris pour un... canard qu'autre chose. Et donc, ouais... Première chose à faire, si vous ne jouez pas, vous ne gagnez pas. La Française des Jeux, on a fait un slogan, 100% des gagnants ont tenté de leur chance. Ça veut bien dire que ceux qui n'ont pas joué, ils n'ont pas gagné. Quoi. Vous êtes, tout simplement. Donc, dans les virus, c'est exactement la même chose. Ah tiens, une bonne question de Dominique. Ça ferait quoi d'ouvrir une clé USB verrouillée sur un Chromebook?
Est-ce que vous avez une idée, Laurent, peut-être, t'as une idée? Oui, bah, ça ferait que si c'est avec un fichier, par exemple, ça peut être un point .bat, ça peut être un point .exe, ça peut être un script Google Doc, ça n'existe pas. Ah bah tiens, zut, ça n'existe pas les scripts Google Doc à ce niveau-là. Bah, ça fera que simplement, si vous êtes, on peut avoir des liens qui, des fichiers, pardon, qui vont pouvoir peut-être installer quelque chose. S'ils installent quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, s'ils installent quelque chose, eh ben, la machine, quand vous relancez la machine, c'est-à-dire votre Chromebook sous Chrome OS, elle va pas se bloquer, elle va remettre tout à zéro. C'est-à-dire qu'elle va dire, ça ne marche pas parce qu'il y a ça qui ne va pas. Il y a la signature de telle, de la dernière mise à jour qui n'est pas bonne. Donc, moi, je vais prendre l'ancienne mise à jour. Et puis, voilà. Et puis, on repart à zéro. Ouais. Mais de toute façon, sur un Chromebook, aujourd'hui, il n'y a pas trop de... Je vous dis de ne pas le faire par habitude et continuer à ne pas le faire. Pour l'instant, sur un Chromebook, on n'a pas trop de problèmes. Ça ne va pas s'installer tout seul, normalement, si tout se passe bien. Et même si ça venait à s'installer, c'est du sandboxing. On reste dans du bac à sable. Ensuite, on a le démarrage vérifié. On a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que ce virus ou cette information ne puisse pas aller chercher vos données personnelles. Donc, pas d'inquiétude. Pour les mails frauduleux, comme le dit Panino et Pizza de Ornan, Gmail gère bien les trucs, le spam, le phishing, de mieux en mieux. Ils sont en train d'ailleurs de tester une chose qui est assez intéressante, c'est que maintenant, si tu as... Ah, il y a des feux d'artifice chez moi. Si tu as un mail qui arrive de ta banque, la BNP par exemple, tu vas avoir le logo de la banque qui va apparaître à la place de l'avatar que tu as au départ. Donc, un avatar avec les deux premières lettres ou les deux premières lettres du nom, généralement, si tu n'as pas la photo, eh bien, Gmail va maintenant mettre directement l'avatar pour vérifier, pour nous dire oui, j'ai vérifié et c'est viable. Donc, allez-y assez gaiement. Si Gmail l'a vérifié, normalement, ça devrait être plutôt bien. Stéphane nous dit, pour rebondir sur l'exemple du monsieur dans le train, je crois que tu peux configurer Chrome OS pour faire en sorte que lorsqu'il détecte que le smartphone s'est lié, s'éloigne, ça verrouille la session. Effectivement, alors je ne sais pas, Stéphane, c'est une bonne question. Laurent Thierry, est-ce que vous savez si ça se verrouille automatiquement quand on s'en va ou ça, en fait, c'est un verrouillage automatique et pour le déverrouiller, il faut avoir le téléphone? Je sais qu'il y a le déverrouillage automatique, mais ouais. Effectivement, en gros, s'il y a le verrouillage, j'en suis pas convaincu. Oui, j'en suis pas convaincu moi non plus. C'est pas avec les clés Titan, par contre, qu'on peut. Alors après, c'est pas une histoire de distance, mais justement, avec la clé Titan, en l'enlevant, en la mettant, ça permet de déverrouiller, reverrouiller. Ouais, mais le problème, c'est que le monsieur du train, là, il avait laissé sa clé Titan dessus. Oui, d'accord. Oui, j'aurais même pu lui voler, quoi. Mais je vais regarder, Stéphane. Je vais regarder, Stéphane, si effectivement ça existe. Bah, j'en ferai un article parce que aujourd'hui, j'ai jamais fait d'article sur ce système-là. Donc, je vais me pencher sur la question. Merci pour la question. Mon empreinte. Ah oui, c'est bien. Mon Chromebook a une demande d'empreinte digitale. C'est parfait. Effectivement, quand on peut avoir ça, c'est encore mieux. Verrouillage de la session au bout d'un laps de temps qu'on peut régler hein, dans les paramètres de Chrome OS. Par défaut, il est très court, hein, je crois. C'est 4 minutes, je crois, un truc comme ça, ou 5 minutes maxi. Et moi, je l'ai réglé à 30 secondes, mais Chromebook ne reste pas inactif 30 secondes. Donc, il n'a même pas le temps d'aller aussi loin. Et n'oublions pas le raccourci Loop L. Oui, pour verrouiller la session. Il y a assez d'enfer avec le menu pour verrouiller rapidement. Ça, ouais. Souvent, ça marche aussi avec Windows L, par exemple. L comme ouais. Lock, en anglais, donc verrouiller. Je pense que c'est un bon réflexe à avoir et j'ai presque envie de dire s'il y a un raccourci clair à connaître, bah peut-être qu'à ce moment-là, celui-ci est vraiment le plus important. Alors, ce sera la touche tout et elle. Maintenant, elle a été renommée, elle s'appelle plus loop, mais oui, la touche tout et elle. On continue. C'est une loop, effectivement. Mon conseil que je donne beaucoup, utilisez un gestionnaire de mot de passe. Arrêtez d'avoir le même mot de passe partout, mais qu'est-ce que c'est pas possible. Chat 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas un mot de passe.
C'est l'animal de compagnie. Faut pas confondre. Et c'est pas parce que on croit qu'il est hyper sécurisé parce qu'on a mis une virgule à la fin ou une majuscule au début que c'est un mot de passe sécurisé. Snowden dirait utiliser déjà une phrase passe. Donc c'est plus grand, c'est plus facilement mémorisable. Mais moi je vais aller plus loin que Snowden parce que je pense qu'un gestionnaire de pas parce que je suis meilleur, hein, loin de là. Hein. Je pensais être beaucoup moins bon que lui, sans aucune équivoque. Mais le gestionnaire de mots de passe, donc Google en fournit un par défaut. Moi, j'en utilise également un autre. Et c'est génial. On a son adresse mail principale, son identifiant principal, et un mot de passe maître, sécurisé, long, une phrase passe, qui nous permet d'accéder à votre mot de passe. Et moi, on pourrait me torturer. Si on me demande le mot de passe de mon compte Facebook, on peut me torturer autant que tu veux. Je ne peux pas te le donner, je ne le connais pas. Il est généré automatiquement et un mot de passe, ça change régulièrement. Arrêtez de garder le même mot de passe pendant 10 ans. Il faut le changer de temps en temps, ça, tout simplement. Thierry, toi, tu aimes les gestionnaires de mot de passe, c'est ça que tu veux me dire ? Oui, déjà, j'aime bien ça. Ça fait des années que j'en utilise exactement pour les mêmes raisons que tu donnes. Du coup, je suis incapable de me souvenir évidemment de tous mes mots de passe. Et dans l'absolu, je peux même montrer un mot de passe vu la longueur. En général, c'est pas gagné. Non, par contre, il y a un point très important là-dessus. C'est que, en tout cas, pour celui que j'utilise, en l'occurrence Dashlane, mais je suis sûr que tous les autres sont un peu sur le même principe. En gros, quand j'enregistre un mot de passe, j'enregistre quatre informations. Le nom, donc typiquement le nom du site ou de l'application. Pour un site, l'URL, le login, le mot de passe. En fait, ce qui se passe, et ça rejoint un petit peu, enfin même plus qu'un petit peu, ça rejoint la partie hameçonnage, c'est qu'en fait, avec Dashlane, si je vais typiquement sur mychromebook.fr, en fait, Dashlane, enfin l'extension du moins, l'extension Chrome, va me renseigner automatiquement mon identifiant, mon mot de passe. Donc déjà, je gagne du temps avec le gestionnaire de mot de passe. Mais surtout, ce qui est important, c'est que si maintenant, au lieu d'aller sur mychromebook.fr, je vais sur mychromebook.fr pour une raison ou une autre, en fait, le gestionnaire de mot de passe savoir que ce n'est pas la même URL et du coup, ne va pas me renseigner automatiquement mon identifiant et mon mot de passe. Qui du coup doit m'alerter en disant là il y a un souci. Ouais, effectivement. Comme le dit Panino et Pizza, Google en plus va aller vérifier, puisqu'il y a un gestionnaire de mots de passe interne, va aller vérifier la sécurité des mots de passe, comme ouais. Peut le faire Dashlane. Il y en a plein, LastPass, Bitwarden, il y a plein de gestionnaires de mots de passe différents. À vous de choisir celui qui vous plaît le plus. Et Google va aller le vérifier, vous dire ah bah vous n'êtes pas en sécurité, il y a eu X mots de passe qui ont été récupérés sur des bases de données quelconques. Alors la plupart du temps, c'est pas vous qui avez donné le mot de passe, mais un site web qui s'est fait pirater et qui ont récupéré, enfin les hackers ont piqué ce qu'ils voulaient dedans. On continue, j'ai encore pas mal de trucs. Protéger votre boîte mail, finalement ça se rejoint. Hein. Protéger votre boîte mail, un vrai mot de passe et une double authentification. Enfin, moi, c'est comme ça que je protège ma boîte mail dite principale, parce que dessus, j'ai tellement de choses importantes, ma banque, mes comptes, mes comptes en Suisse, tout ça. Je peux pas laisser à tout vent l'accès à ma boîte mail. Donc, j'ai mis une double authentification. Je vous dirai pas laquelle. C'est peut-être du Titan, c'est peut-être, un chien de garde, je sais pas encore. Et un mot de passe robuste. Le mot de passe robuste, il est robuste. Hein. Des fois, je tape un peu vite, donc j'inverse des lettres tellement c'est long. Mais c'est un vrai grand mot de passe. Donc, je ne sais pas si vous n'allez pas le dire. Non, mais je ne vais même pas vous poser la question, Laurent et Thierry, de vous dire est-ce que votre mot de passe est robuste sur votre boîte mail principale et la double authentification. Ça me semble tellement évident que vous avez fait ça. Ne répondez pas. Je passe à la suite. Et enfin, un truc très récent, parce qu'on m'a dit dernièrement, moi j'achète beaucoup en ligne, mais je vais que sur des sites où il y a le HTTPS qui apparaît, le petit cadenas dans mon navigateur en haut à gauche, là près de l'URL. Et comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me faire pirater. J'ai répondu à cette personne que je peux acheter, ou même pas acheter, générer ce petit cadenas avec une simple application sur un WordPress quelconque, un site web quelconque. Je peux lui faire croire que j'ai un HTTPS très, très sécurisé, que j'aurais acheté tout ça, mais qui n'a aucune valeur. Donc, c'est pas parce qu'on a le petit cadenas qu'on est en sécurité. Faites attention à ça. Allez un peu plus loin. Regardez si vous faites un achat. Moi, la première chose que je conseille très souvent, c'est va regarder s'il y a un numéro de sirène, va regarder s'il y a une adresse postale, un numéro de téléphone fixe peut-être.
va regarder s'il est encore enregistré au registre du commerce ou des choses comme ça. Ça, c'est les petits conseils que moi, je peux vous donner. Je ne sais pas, Thierry, Laurent, est-ce que vous en avez un autre ou d'autres, ou même dans la chatroom, si vous avez d'autres conseils à nous donner, c'est le moment. Moi, je dirais simplement que régulièrement, dans la sécurité au niveau de votre compte de Google, c'est My Google ou My Account, je ne sais plus l'adresse. Oui, voilà. Google.com. Voilà, dans la sécurité, vous pouvez vérifier tout ce qui concerne les mots de passe, c'est-à-dire s'ils ont été volés, comme tu disais, ou s'ils ont été déjà utilisés ils sont distribués par des malfaisants, des canards. Donc, il y a déjà ça. Deuxièmement, comme disait Nicolas, changez votre mot de passe. Mais pas changer votre mot de passe par obligation. Changez votre mot de passe en vous disant « c'est pour ma sécurité ». On parlait tout à l'heure des entreprises, mais combien de sociétés ou même de particuliers ont des mots de passe ? Ça les ennuie, ça les fait… Vous avez le mot, vous avez compris ce que je veux dire. Ça les ennuie de changer un mot de passe. Et pourtant, ce mot de passe, qu'est-ce que ça va être ? Ben, ça va être quelque chose qui va vous permettre de sauver vos données. Voilà, c'est tout. Parfait. Je suis d'accord avec toi. Comme dirait Panino et Pizza, privilégiez des sites que vous connaissez ou très connus. Ça n'empêche pas que, attention, le lien, si vous allez dessus, ça peut être un mauvais site. Ouais. Voilà, en fait, toutes nos petites préconisations pour vous dire simplement que pas besoin d'antivirus, mais d'une belle dose d'éducation. Alors, on va pas dire éducation parce que c'est un peu méchant, mais de vérification de la part de l'utilisateur. De prise de conscience. Merci Laurent, ouais, c'est ça. Le système d'exploitation, il peut être le meilleur du monde. Si nous, derrière, nous sommes notre propre faille, à un moment, on peut pas reprocher à Windows, Apple, Microsoft, Apple ou Google de pas faire le nécessaire si nous, on ne le fait pas de notre côté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça. Un petit point pub. Et le VPN, ah oui, ah bien joué Panino, oui, le VPN, n'utilisez pas les hotspots sans VPN, non mais oh, c'est quoi ça ? Les réseaux virtuels, super important, je fais beaucoup de trains, beaucoup d'hôtels, et j'utilise déjà jamais c'est les hotspots, et quand je suis obligé, effectivement, j'active un VPN pour être sûr de ne pas me faire piquer mes données. Merci. Merci. Petit point pub avant de continuer, hein, parce qu'on a encore des choses à vous dire. Si vous aimez ce qu'on fait, les informations qu'on vous donne, parce que c'est du travail, l'air de rien. Moi, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui avant l'apéro. Après, c'était plus dur. Mais avant l'apéro, j'ai fait l'apéro à 9h ce matin. Effectivement, bah, il fait chaud en ce moment. Si vous nous aimez ce qu'on fait, ce qu'on vous propose, je vous invite à nous soutenir sur le Tipeee, donc soutenir le CKB Show, mais également mychromebook.fr, parce que les deux sont indissociables. Ceux que vous voyez, Laurent et Thierry, sont aussi des rédacteurs permanents sur le site et qui font un travail assez exceptionnel. Thierry, sur la domotique, donc si vous voulez tout domotiser à la maison, bah, allez voir ses articles, il va vous ravir et vous donner du travail jusqu'à plus quoi en faire. À chaque fois, je lui demande un truc. J'ai tellement de choses à faire avec lui. Et puis Laurent qui nous déniche toujours des petites astuces à droite, à gauche et puis des informations hyper intéressantes. Allez voir donc My Chromebook, LCKB Show, c'est un tout. Et si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à faire comme Panino, comme Stéphane, comme Dominique, comme j'en passe tellement, je suis désolé, j'en oublie plein, mais comme Richard ou plein d'autres, à nous soutenir sur fr.tipeee avec 3e.com/mychromebook-du6fr. C'est 1 euro, à partir de 1 euro, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aller plus loin, c'est sans engagement. Si vous voulez vous arrêter, vous vous arrêtez. Si vous voulez recommencer, vous recommencez. Dans tous les cas, nous, ça nous fait plaisir. Et si vous ne pouvez pas nous donner 1 euro, ce qui peut arriver, et je comprends totalement, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Vous pouvez toujours parler de nous sur les réseaux sociaux, par exemple en partageant ce podcast, hein, ne serait-ce que ça, ou nos dizaines de milliards d'articles qu'on fait régulièrement et qui aident beaucoup de gens, ou alors abonner de force les gens à notre podcast, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Thierry ? Est-ce que tu ne serais pas allé piquer celui de ta grand-tante et abonner au podcast pour qu'on ait plus de monde ? On en reparlera tout à l'heure. Donc,
L'automatisation qui n'a pas marché, a priori. Et d'ailleurs, comme le dit DKDMob, effectivement, en plus, quand vous êtes tipeur, vous avez accès à deux choses pour l'instant. Il y en aura plus après. Moins de publicité sur le site mycrombook.fr et un chat privé. Et le chat privé, pour l'instant, ben, on y répond assez rapidement, j'espère, en tout cas. C'est pas toujours évident parce qu'on a un travail à côté. Hein. C'est pas Mycrombook qui nous paye. Mais on essaye d'y répondre. Et pour des cadres, je regarde ça, peut-être pas ce soir, je suis désolé, mais demain dans la journée, je vais voir pourquoi. Renvoie-moi ton adresse mail sur laquelle tu es connecté et sur Tipeee et sur mycrombook.fr pour que je vérifie d'où vient le problème. Voilà, donc tipeee.com/mycrombook.fr. On continue parce qu'on a plein d'autres choses, des choses qui sont hyper intéressantes également. On parle des Chromebooks, oui, comme d'habitude, mais un petit peu plus parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Moi, j'adore Tot, le fourre-tout. Le fourre-tout, c'est pour moi l'élément ultime qui... c'est pas Tot, d'ailleurs, c'est Phone Hub. Pardon, je me suis trompé dans la news. Non, c'est Tot, pardon. Oh, je vais pas y arriver ce soir. Le fourre-tout qui nous permet maintenant de voir... l'encours du téléchargement. Vous téléchargez une application qui dure un petit peu de temps aujourd'hui, vous avez une notification qui apparaît, ce qui est un petit peu compliqué quand on en a beaucoup. Dans quelques temps, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous voyez l'image, on va voir un petit curseur qui va avancer dans le temps pour vous stipuler combien de gigas il vous reste à télécharger ou mégas. C'est un petit cercle qui se remplit type une jauge de téléchargement. Très simple, j'ai fait une news, il y a un QR code si vous voulez scanner si vous êtes sur YouTube et si pour les autres, il sera en lien dans les notes de l'émission. Autre chose, je continue à vous m'arrêter Thierry et Laurent si vous voulez interagir dessus. Une chose qui est intéressante, qui pourrait peut-être nous intéresser à nous, c'est la suppression de bruit sur Chrome OS lorsqu'on utilise un micro. Typiquement, Google vient d'intégrer une fonctionnalité qui est pour l'instant uniquement dans le canal Canary et Dev, qui va atténuer le son autour de nous, simplement quand on active un micro secondaire. Pour l'instant, pas le micro interne, mais un micro secondaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur les conférences téléphoniques, les visios, le télétravail et compagnie. Thierry, tu l'as déjà utilisé? Non, tu ne l'as pas encore utilisé, ça. Non, mais je me posais la question si ça allait filtrer les papiers de bonbons de Laurent. Je sais, non. Peut-être. Peut-être. Non, ça peut être extrême. Peut-être, effectivement. Oui. Je sais pas encore. Je l'ai testé, mais j'ai pas eu de retour de mes interlocuteurs. Pour eux, il y avait pas de bruit, mais a priori, ça a marché. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça va arriver. Et je pense que c'est une bonne chose parce que, les bruits parasites, il y en a toujours quand on est en télétravail. Donc, autant les limiter. Tout à l'heure, vous avez entendu. Moi, j'avais des feux d'artifice. Donc, vous les avez entendus. Donc, a priori, ça ne marche pas. Continuons. Une autre chose intéressante que j'aime bien, c'est le glisser pour épingler sur Chrome OS. Vous l'avez déjà vu, quand vous ouvrez une application, un onglet Chrome, vous avez l'icône qui apparaît en bas à droite des icônes déjà épinglées. Dans un avenir très, très proche, vous allez pouvoir prendre l'icône, faire un clic tenu sur l'icône qui apparaît dans l'étagère, le glisser de l'autre côté de la petite barre verticale pour l'épingler automatiquement. Donc, c'est un raccourci que je trouve exceptionnel. Ça nous évite, quand on fait une PWA, par exemple, de dire « clic droit dessus, épingler à l'étagère ». Bon, on gagne encore en fluidité, en rapidité. Et je trouve ça hyper intéressant tout court. Hein. Vous épinglez de temps en temps des applications sur l'étagère, Laurent ? Oui. Je ne sais pas pourquoi tu me vois, mais c'est pas grave. Oui, j'en ai plein. Ça n'arrête pas d'épingler. Mais bon, j'en désimpègle. Ouais, on a compris. Oui, bref, j'en décroche quelques-unes aussi de temps en temps parce que j'en ai certaines qui des fois m'ennuient. En plus, bon, comme régulièrement, je remets tout à zéro, c'est-à-dire que je reformate PowerWash et puis on repart à zéro. Donc, régulièrement, je fais l'écrémage régulier. Puis bon, comme on disait tout à l'heure, hein, toute extension, tout produit que vous n'utilisez pas, tout outil que vous n'utilisez pas sur votre Chromebook, faut l'enlever, faut le désinstaller. Enlevez-le. Enlevez-le. Je rouvre ma fenêtre, il fait trop chaud. Merci Laurent. Dernière chose, un truc énorme. Ils vont enfin mettre dans le lanceur d'application le tri. Voilà.
on va pouvoir trier nos applications correctement dans notre lanceur d'applications. Fallait y penser, hein. Franchement, personne n'avait jamais fait ça de sa vie. Et aujourd'hui, mon lanceur d'application, si je vous le montrais, il y a des pages où il y a juste une icône qui se balade au milieu. On ne sait pas pourquoi elle est là, mais et toutes les autres sont parties, mais celle-là, elle est là, elle reste là. Et pour aller chercher une application, bah, je scroll. Alors évidemment, j'utilise la touche tout et le moteur de recherche, mais pour ceux qui veulent à l'ancienne aller chercher soi-même son icône, c'est pas hyper pratique. Donc heureusement, on va lancer un tri dans le lance en on, comme si c'est moi qui allais le faire. Ils vont lancer un tri dans le lanceur d'application. C'est une révolution, effectivement, Stéphane. Juste un point là-dessus, je serais curieux de voir, alors peut-être pas dans les prochains, enfin pas dans les toutes prochaines versions, mais ce qui serait vachement intéressant par rapport à ce tri, et je ne serais pas du tout étonné que ça arrive, c'est qu'il y a un tri, mais un espèce de tri intégré, c'est-à-dire que par l'IA, le système soit capable d'identifier que, je ne sais pas, j'amende n'importe quoi, quand j'allume mon Chromebook, j'ai tendance à lancer telle et telle application et donc de me les mettre en haut, mais qu'à 14 heures, j'utilise plus ou plutôt telle et telle application. Ah ouais, tu vas loin. Là, tu vas trop loin. Ah, mais... Non, faut revenir, mais pas trop. Capable d'aller loin. Non, mais c'est pas mal hein, l'utilisation, mais tu peux utiliser de l'intelligence artificielle si ça en est, ne serait-ce que pour ranger automatiquement les icônes dans des dossiers. Voilà. Si on parle d'application de musique qui seront pour trier de A à Z. Non, c'est pas de l'intelligence. Non, mais pas de A à Z, mais genre, il sait que c'est une application de musique, il va le mettre dans le dossier musique. Ah, d'accord. Ah oui, dans le sens. Ouais. Un peu il comme sait il y a une application. Par exemple. D'accord. Il le fait déjà un petit peu hein, sur Chromebook. Quand c'est une application Android, il te le range dans le dossier Android. Mais le problème, c'est qu'à la fin, ça devient vite un bois parce que. Ouais, mais même Android, ça marche. Ouais, Linux, ouais, il le fait. Android, il le fait pas. C'est Linux, ouais, effectivement. Mais c'est un système à part, donc c'est un peu normal. Ouais. Ouais. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, je crois qu'on a terminé. Enfin, hein. On a tenu 1h20. Donc j'avais dit qu'on allait tenir qu'une heure. Donc c'est bien. On a tenu 1h20. Ceux qui veulent, qui ont des questions à nous poser, vous le savez maintenant. On a lancé la dernière fois un after show. On a lancé un after show et on va lancer le même. Dans la foulée, et on va répondre à des questions. Donc là, on va vous dire tous ceux qui nous quittent parce que là, il se fait un peu tard. Et puis, ça fait déjà 1h20 qu'on discute. On va dire merci de nous avoir écoutés jusque-là. Si vous voulez nous aider, n'oubliez pas, il y a le Tipeee, mais vous pouvez très bien partager nos épisodes et nos articles à travers tous les réseaux sociaux. Et puis, je vais, si on veut rejoindre Thierry, Laurent et moi-même, évidemment, dans les notes de l'émission, vous aurez nos liens. Et on va pouvoir ensuite vous laisser partir tranquillement. Et je vais vous dire à tous ceux qui s'en vont, passez une bonne nuit et à très bientôt. Sauf ceux qui restent, ils ont le droit à… L'after show. L'after show. Voilà, faut le dire. Passez une bonne soirée pour tous ceux qui nous quittent. Bonne soirée. Salut. Et bien voilà, ça y est, j'ai arrêté l'enregistrement, nous voilà entre nous, je dirais, hein, tous les 13. C'est pas mal ce chiffre-là, on devrait inviter une autre personne quand même. Hein. Mais nous voilà tous les 13 et on va aborder les questions que vous nous avez posées. Alors pour l'instant, on en a peu, mais en même temps, on lance ça un petit peu à l'improviste, un after show sans le dire à personne, enfin rapidement. Donc on a quelques questions. Avant d'aller sur les questions, Thierry, Laurent... on a parlé des virus, tout ça. Est-ce qu'avant la préparation de cet épisode, de cette émission, vous aviez conscience de tout ce que Chrome OS était capable de faire pour nous protéger au quotidien, Thierry, par exemple? Est-ce que tu en avais conscience? Conscience, oui, mais c'est toujours important, je pense, de faire un peu un bilan. C'est-à-dire que
conscience de par le fait d'utiliser tous les jours et de finalement ne poser ce genre de questions. Mais pour autant, de se dire, c'est quand même pas mal. Ça me rappelle un peu mon épouse ce matin qui justement allume son ordi du boulot, parce que ça y est, elle a eu un laptop, et qui est, bon, en l'occurrence, un PC Windows, et qui la me regarde et me dit, c'est chiant, il met trois plombes à s'allumer. Effectivement. Et naturellement, je dis, ah oui, c'est moche quand tu as l'habitude avec le Chromebook, tout de suite, tu te rends plus compte. Ben, je pense que c'est un peu la même idée. Ouais, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je ne pars plus, je n'allume plus ou très peu un ordinateur sous Windows par fainéantise, je vais dire, parce que j'ai pas le temps en fait. C'est hyper compliqué de. Ben j'ai pas le temps. C'est hyper compliqué d'attendre. Et tu vois, l'enregistrement, là, par exemple, Thierry, l'enregistrement, je le fais sur un Chromebook. Beaucoup m'ont dit, c'est pas possible, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, peut-être, la mise en place au départ. Par contre, j'ai allumé mon Chromebook. On a commencé une demi-heure avant. On s'est concentré les trois une demi-heure avant. Mais je l'ai allumé. On a dit qu'on se rejoignait à 20h30. À 20h30, je l'ai allumé. Je me suis même pas posé la question de est-ce qu'il va pas me faire une mise à jour d'une demi-heure. Et ça, c'est génial. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très, très bien. Laurent, toi, tu en avais conscience de toutes ces... Bien sûr. Ouais. Oui, évidemment. Oui. Non, ce que je trouve par contre dommage, c'est qu'il y a quand même encore une inconscience collective à tous les niveaux. Je rappelais les quelques chiffres que je donnais tout à l'heure. C'est quand même montrer qu'il y a quand même encore une inconscience collective. Et cette inconscience collective... elle peut disparaître par le biais justement des entreprises qui prendront conscience justement des virus, des ransomware, de tout ce qu'on a expliqué comme possibilité qu'on les canard pour attaquer une entreprise ou un particulier. Si dans l'entreprise, faut bien comprendre, si dans l'entreprise il y a une politique qui est mise en place de sécurité, elle va s'impacter automatiquement sur la vie personnelle de la personne qui est employée. À partir de ce moment-là, l'employé, le collaborateur, on appellera ça, moi j'appelle ça un employé parce qu'il travaille dans notre société, il va prendre conscience qu'il y a une sécurité qui s'est mise en place et qu'il peut le faire chez lui. Donc, le faire dans une entreprise, ça a un rôle pédagogique, que je dirais, et ça peut apporter quelque chose de portant, c'est que la portée même de l'entreprise, c'est-à-dire de dire « Ah ben j'ai ça à la maison », mais on peut dire aussi « J'ai ça à l'entreprise, dans mon boulot, j'ai ça, donc je vais le faire chez moi ». Donc, ça peut apporter quelque chose qui peut faire que le particulier va se retrouver à être, je dirais, mieux protégé. L'autre jour, dans le dernier CKB Show, tu disais que j'étais le monsieur sécurité. Je suis pas tombé dedans. Simplement parce qu'il y avait le bonhomme qui passait, j'ai levé le doigt et pour autre chose, je voulais aller aux toilettes. Et puis toi, Nicolas, tu m'as dit, toi, tu vas t'occuper de la sécurité. Alors moi, comme un con, excusez-moi l'expression, je me suis occupé de la sécurité. La sécurité, c'est quand même quelque chose qui est important. La sécurité, c'est tous les jours. La sécurité concerne aussi bien votre réseau Wi-Fi, votre réseau que vous avez créé vous-même, votre box, vos périphériques, votre imprimante, que ce soit les imprimantes, les clés USB et compagnie. Tout ça fait que c'est votre sécurité. Et puis aussi, votre Chromebook, quand vous partez, comme expliquait Nicolas tout à l'heure dans le train, qu'est-ce qu'il voyait? Ben, il avait en face de lui un ordinateur, la clé de sécurité, il pouvait faire ce qu'il voulait, le mec qui revenait, il n'avait rien vu. Exact, voilà. Et pour faire simple, pour résumer ce que tu nous dis, il y a une prise de conscience collective qui doit être faite, tout à fait. Parce que malheureusement, on se croit en sécurité parce qu'on est derrière un ordinateur, mais il faut savoir que l'insécurité sur Internet peut arriver dans la vie réelle. C'est pas parce que ça se passe sur Internet que ça va pas impacter votre vie, mais ça, vous le savez tous. Si vous en avez conscience, et je suis sûr que tous ceux qui nous suivent en ont conscience, continuez à amener, à
à prêcher la bonne parole autour de la sécurité autour de vous, parce que c'est avec des sachants qu'on va pouvoir continuer à aider ceux qui ne savent pas encore comment bien se protéger sur Internet que on arrivera à vaincre l'insécurité sur Internet. Alors, on va passer aux questions maintenant. Parce qu'on a quelques questions quand même. On n'en a pas beaucoup, mais on a quelques questions. Alors, on va peut-être répondre à la question de Panino qui nous dit qui connaît le problème de la Google Slate avec le processeur Intel i5. Pas moi. C'est peut-être, tu nous diras, hein, Panino, j'ai entendu parler d'une mise à jour de Chrome OS, la Chrome OS 91, qui pouvait interférer avec certains Chromebooks. Alors, il s'avère que le Pixel Slate, c'est pas un Chromebook que j'ai, et je t'envie presque de l'avoir, parce que j'ai pas réussi à l'avoir. Mais c'est potentiellement un de ces problèmes-là. Donc, une mise à jour devrait régler, si c'est bien de ça qu'on parle, puisque le problème, je sais pas lequel est en particulier ton problème, mais si c'est ça, la prochaine mise à jour devrait régler ton problème assez facilement. C'est Chrome OS 91 qui a eu une petite difficulté. On continue, tu rebondis dessus, hein, Panino et Pizza, si tu veux plus de réponses. J'ai réuni quelques réponses. On a... vous fâchez pas, j'avais pas vos photos. Alors j'ai mis celle que j'ai trouvée, Dominique, qui nous pose des questions, mais auxquelles on a déjà répondu, donc ça va être assez facile. Y a-t-il une différence au niveau de la sécurité entre la version Android d'un smartphone et la version Android d'un Chromebook qui est émulé? Thierry, tu en as, t'as déjà un peu répondu à la question. Est-ce que tu veux redonner un complément? Je pense que la sécurité sur l'application Android sur un Chromebook est plus sécurisée dans le sens où, en gros, on va dire, il y a le Chromebook, il y a ensuite Chrome OS, puis il y a Android pour schématiser, alors que sur un smartphone, ça va être il y a Android et c'est tout. Donc en soi, pour moi, les applis Android sur les Chromebooks sont pas forcément plus sécurisés, mais ont potentiellement moins d'impact. Maintenant, à nouveau, comme on l'a dit, la protection, elle est en amont. Et pour moi, c'est toujours comme ça que ça doit fonctionner. L'utilisateur, il accède au Play Store. C'est à Google de fournir un service qui assure que les applications disponibles sont sécurisées. C'est ça. Justement, le changement en AAB de Google, qui est assez intéressant, donc le changement pour ceux qui ne le savent pas, donc aujourd'hui, un fichier MPK, c'est un exécutable qui englobe toutes les données qu'aura besoin l'application en elle-même, c'est-à-dire tous les packs de langage, vous avez toutes les langues du monde, vous avez toutes les tailles d'écran, vous avez tous les types de processeurs qui vont être pris en charge par l'application APK, donc qui est aujourd'hui dans le Google Play Store, et qui fait que on a des applications qui font des jeux, enfin, surtout des jeux, mais plusieurs gigas, hein, de données, c'est assez impressionnant. Et plus il y a d'informations qui sont téléchargées en amont, plus il y a potentiellement de problèmes, d'erreurs. Enfin, tu m'arrêtes, hein, Thierry, si je vais trop loin dans ma réflexion. Mais oui, de toute façon, c'est toujours pareil, hein. Plus il y a de choses, voilà. C'est plus ça. Et du coup, plus on a risque de dire des âneries. C'est ça, c'est pour ça que je demande l'aval de tout le monde. Et du coup, il passe au AAB. Et ce format-là, il est assez exceptionnel, je trouve, assez intéressant. Exceptionnel, je dirais peut-être pas jusque-là, mais assez intéressant. C'est qu'en fait, Google va. En fait, le développeur va développer le logiciel, mais en faisant appel à des API, hein, si j'ai bien compris, Thierry, à des bouts de code à droite, à gauche, et qui ne seront téléchargés qu'en fonction de l'utilisateur. C'est-à-dire que si mon smartphone il fait 7 pouces, je ne téléchargerai pas une application qui a besoin d'avoir un écran de 15 pouces. Donc, du coup, je n'ai pas utilisé et ceux de 7 pouces, et ceux de... Merci, Dominique. Et ceux de 15 pouces. Si je ne parle que le français et que je ne veux pas aller aux autres langues, je ne vais pas aller télécharger les autres langues. Donc, ça va alléger mon application, la rendre plus rapide à télécharger, plus rapide à mettre à jour, et surtout plus fiable, puisque ces fichiers-là sont gérés par Google. En fait, les développeurs vont aller chercher les fichiers qu'ils vont avoir besoin les uns les autres dans les différentes bases de Google. Je ne me trompe pas, Thierry, c'est à peu près ça l'idée? Moi, je pense. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas regardé dans le détail non plus, mais je pense qu'effectivement, ils auront... au niveau des fichiers qu'ils vont générer pour développer une application, j'imagine l'obligation de respecter un certain formalisme
comme j'invente n'importe quoi, les sons mettent dans un dossier spécifique, les images dans un dossier spécifique, etc. Oui. Et donc, de par ce biais-là, ça permet effectivement de dire, bah, on télécharge que telle ou telle partie, avec du coup les avantages que tu viens de décrire. Moi, je trouve ça assez intéressant, et c'est un pied de nez à Windows qui lance Android. Alors, je suis, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Windows a signé avec Amazon App, je sais plus comment elle s'appelle leur application, App Store, je pense, et plutôt qu'avec le Google Play Store. C'est peut-être ça qui les gêne, que Google ait accès à trop d'informations. Alors, du côté développeur, d'après ce que j'ai entendu, c'est un peu compliqué parce que le développeur doit donner les droits d'accès à l'application à Google, ce qui aujourd'hui n'était pas le cas. Donc, mais en termes de sécurité, je pense que ça sera exceptionnellement bon, que ça soit sur un Android ou sur un Chromebook. Je pense pas que Google fasse une différence entre les deux. En tout cas, je parle bien d'Android. Hein. Il peut y avoir d'autres différences, mais sur Android, je pense pas qu'il y ait de problème. Laurent, tu es d'accord avec nous ? Oui, tout à fait. J'ai rien à dire. Parfait. En deux mots, tu vois, sur ce que tu dis. Le seul débat que je vois peut-être venir, mais qui aurait peut-être pas lieu, parce que je dis peut-être une ânerie, mais quand tu dis Google demande l'autorisation, je me demande si à ce moment-là, Google va pas pouvoir voir le code source de l'application et si ça va pas générer une espèce de monde open source général qui n'existe peut-être pas aujourd'hui. Mais après, je ne mets pas dans le développement d'application Android, peut-être ce que je dis est juste une grosse ânerie. Mais... Il faudrait qu'on connaisse quelqu'un qui travaille chez Google pour répondre à cette question. Voilà. Bonjour Thomas, si tu me suis. Oui, bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Chut. Autre question de Dominique. Alors, j'ai mis toutes tes questions, Dominique, et j'espère qu'on y répond. Tu nous le dis dans le chat si ça te convient. Et si tu as d'autres questions, c'est le moment. Hein. Une autre question, quel est l'intérêt d'avoir un antivirus alors que Chrome OS est hyper sécure et que sur Android, les applis sont censées être contrôlées ? Eh bien, je pense que tout le podcast a répondu à ta question. Voilà. Hein, je l'ai mise pour dire que pour une fois, j'avais la réponse à la question. reviens en arrière et réécoute, et si ça répond à ta question, bah, je suis content. Elle était un peu longue, la réponse, je suis d'accord, 1h20 pour une réponse, c'est long, mais elle était complète, j'espère en tout cas qu'elle te convient. J'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est peut-être, attention, comme tu le disais Thierry, attention aux APK, enfin aux fichiers de sources inconnues, attention peut-être sur Linux, puisque Linux peut peut-être télécharger des logiciels qui sont pas forcément très bons, parce qu'il est compatible .db, deb, c'est un double clic pour l'installer, donc faire attention à ça, mais pour tout le reste... Et quand bien même, ça n'attaquera que la partie Linux. C'est ça. Et en plus, Linux a également une structure particulière qui fait que n'importe qui ne peut pas accéder à n'importe quel fichier, etc. C'est ça. Le plus gros danger, honnêtement, et ce n'est pas pour troller, je ne veux pas lancer un débat surtout à l'heure là, mais c'est la problématique au niveau du Windows que, en tout cas sur un PC familial, tout le monde est administrateur, il n'y a pas de gestion de droits, et une application, on la prend, on la télécharge, on l'installe, ça installe des fichiers à peu de choses près, n'importe où, ça peut remplacer des fichiers, etc. Et c'est complètement transparent. Mais en même temps, c'est un système qui s'est mis en place au début des années 90, on ne s'inquiétait pas forcément de la sécurité, ou en tout cas, on n'imaginait pas non plus toutes ces capacités-là à l'époque. Après, voilà, le système évolue, mais pour preuve, maintenant, avec Windows 11, il parle de plus en plus du store, qui, dans ce cas-là, bah, ferait qu'effectivement, il y aura un contrôle en amont, comme il y a avec le Play Store, l'Apple Store et consorts. Donc, on a rassuré Dominique. Il avait peur de devoir installer un antivirus. Non, si tu ne vas pas à la Fnac, Darty, Boulanger, tout ça, tu n'auras pas d'antivirus avec ton Chromebook. Ils ne t'en vendront pas. Hein. Alors, il est inclus dedans, je crois. Ils ne les vendent pas. Hein. C'est ça, Laurent ? Oui, bah, j'ai eu une discussion via Twitter il y a quelques années. Et, je leur avais indiqué comme ça, gentiment, mais alors très gentiment. Hein, j'étais très soft parce que j'avais envie de les traiter de canards. Parce qu'ils proposaient l'antivirus. Alors, je ne donnerai pas le nom, mais bon, tout le monde saura qui c'est quand ça commence avec un N, je crois. Ah, c'est ça ? Norton, pardon. Oui, voilà, c'est ça. On n'a dit pas de nom.
On avait des bonnes visions. Oui, bon, donc j'ai essayé de leur faire comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'antivirus avec les Chromebooks et on m'a répondu, si vous comprenez, c'est gratuit. Oui, mais ça ne sert à rien puisqu'il ne peut pas être opérable. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un antivirus, qu'est-ce que c'est ? L'antivirus, je connais tous les antivirus de quel que soit, c'est sur des points .exe. Hein, ou alors des points DMG pour les Mac. Pour Linux, ça va être en point .deb. Sur Chrome OS, alors je pose la question, Thierry et Nicolas pourront peut-être me confirmer, je ne connais pas d'applications qui peuvent s'installer. Je ne connais pas, parce que faut bien se comprendre, une installation d'une application en .exe, telle qu'elle existe sous Windows, comme l'expliquait à l'instant Thierry, ça n'existe pas sous Chrome OS. Une application en .dmg, comme ça se fait sous macOS, ça n'existe pas sous Chrome OS. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'applications qui peuvent s'installer. On ne peut pas installer une application. On ne pourra installer soit des URL, c'est-à-dire des raccourcis, soit des PWA, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Je pense que si vous voulez, à partir de ce moment-là, la PWA ne peut pas avoir un virus à l'intérieur. L'URL, le raccourci, ce qu'on appelle le raccourci, ne peut pas avoir un virus par lui-même. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas possible d'installer un virus quelconque. Je me trompe peut-être, Nicolas. Je me trompe peut-être, Thierry. Non, mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit pendant 1h20. On va pas le refaire, mais tu as raison. Enfin, en tout cas, je le d'accord avec toi. Alors donc, si la prochaine fois vous allez chez Boulanger, vous leur dites de nous appeler. Un, vous leur dites que vous nous appelez. Deux, vous leur faites ton numéro. Voilà. Vous leur dites d'écouter ce podcast qui explique comment on installe des virus, comment on installe des virus sur les Chromebooks, comment on fait pour installer un virus sur un Chromebook, et vous allez voir, au bout d'une heure et demie, ils vont se dire « Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait là ?»« Tiens, je ne vous le donne pas, je vais le mettre à la poubelle », qu'ils vont dire l'antivirus. Mais juste un dernier point, de toute façon, la notion de virus, comme on l'entendait à l'époque, oui, elle a évolué. Et maintenant, enfin, c'est plus, j'imagine que ça existe encore, mais je veux dire, il n'y a plus beaucoup de cas où d'un coup on installe une application qui va supprimer les données, les fichiers, etc. C'est géré de manière beaucoup plus intelligente parce que tous les systèmes, à nouveau, je pense même que la question de l'antivirus de manière générale se pose plus parce que même Windows, je ne sais pas si c'est encore le cas avec Windows 10, Windows 11, mais à l'époque il y avait Windows Defender de mémoire. Qui était intégré, qui était, sur ce que j'avais lu à l'époque, plutôt bien noté dans ses capacités d'analyse antivirus. Donc, de toute façon, ceux qui étaient de l'autre côté de la force ont de toute façon changé de mentalité et ont attaqué par d'autres aspects. Alors, mais je ne vais pas relancer tous les sujets qu'on a déjà dit. Alors, le problème maintenant, si vous permettez, ce n'est plus les virus, c'est vrai, mais bon, on vous vend de l'antivirus. Le problème, ce n'est plus les virus, ça vous l'avez bien compris. C'est ce que vous allez voir sur les sites. C'est ça le problème. Là, le problème, il est là. C'est vous allez vous faire arnaquer, on va vous installer un petit programme qui va faire que, pas installer, mais je veux dire, on va vous faire dire, tiens, il faut faire telle manipulation. Vous savez, des fois, vous téléphonez, on vous fait croire, votre téléphone ne fonctionne plus. Ah ouais, d'accord. Et puis au bout d'une demi-heure, votre téléphone, je ne vous donnerai pas l'exemple le suivant, je vais vous le raconter. J'ai lisé dernièrement dans le journal, une personne, elle a payé je ne sais plus combien d'euros, de dizaines de milliers d'euros, parce qu'on lui a fait croire qu'il fallait vérifier sa ligne téléphonique.
Et donc, à partir de ce moment-là, on lui a demandé de composer un numéro. Puis, en fin de compte, ce numéro, bah, c'était un truc. C'est ce qu'on explique, hein, Laurent. Voilà. C'est la prise de conscience qui est importante. Voilà, je vais rebondir sur plusieurs retours dans le chat. Donc, Panino qui dit Darty, ils ne connaissent même pas les Chromebooks il y a 4 ans. Effectivement, et c'est peut-être là le problème. Ils te vendent un antivirus parce qu'eux, ils sont primés dessus, hein, de toute façon. Voilà. Et ne connaissant pas l'appareil ni le système d'exploitation, ils pensent bien faire, enfin déjà pour gagner un peu d'argent, et je vais pas leur jeter la pierre évidemment, mais derrière ils pensent te proposer quelque chose qui fonctionne avec. Charge à toi, utilisateur qui connaît un Chromebook, de définir si tu en as besoin ou pas. Et malheureusement, il y a 4 ans, il y avait pas de formation, enfin très peu de formation pour les vendeurs de Chromebook ou Chrome OS dans les Darty, mais c'est dans toutes les grandes distributions, c'est pas eux particulièrement, mais c'était comme ça, c'était une ignorance du système d'exploitation. Pour te dire, sur Darty, Darty ou Boulanger, j'y suis allé il y a 4 ans, un truc comme ça, et il y avait un stand Chromebook. Alors j'étais tout fin fou, hein, un stand Chromebook, j'ai fait des photos tout, et puis du coup il y a un gars qui c'est énorme, et il y a un gars qui vient, il avait un petit gilet bleu avec Chromebook, un badge Chromebook. Je fais waouh, il y a même un mec qui parle des Chromebooks, quoi, c'est génial. Et du coup, bah, j'ai discuté avec lui. Alors évidemment, je lui ai pas dit bonjour, c'est Nicolas de mychromebook.fr. je lui ai dit juste, je suis content que vous ayez des Chromebooks. Et le mec il fait, ah ouais, vous connaissez un peu? Ouais, je fais un petit peu. Ouais. Je fais, vous pouvez m'en dire un peu plus, parce que j'espérais que lui en sache plus que moi, tu vois, c'est évident. Il travaille pour le truc, il est, bon, effectivement, c'est un animateur, mais il a du coup été formé. Et du coup, je lui ai appris qu'on pouvait télécharger des applications avec l'Android, avec le Google Play Store. Je lui ai appris qu'il existait Linux. Je lui ai appris qu'on pouvait avoir plusieurs sessions. Je lui ai appris, et pendant 10 minutes, un quart d'heure, je lui ai montré plein de choses. Je lui ai dit, débloquez-moi le truc, je vais vous montrer plein de choses. Et au bout une demi-heure, donc c'est mon amie qui est venue me rechercher. Elle m'a dit, c'est bon, tu les laisses tranquilles un petit peu. Et mais au bout d'une demi-heure, j'avais 4 personnes autour de moi, et c'était 4 vendeurs j'allais dire le nom du magasin, ah ouais, mais en fait on peut faire ça. Je fais ouais, puis on peut faire ça, et d'un seul coup ils ont pris conscience qu'en fait c'était pas juste un Minitel, que c'était plus que ça, et qu'il y avait des capacités assez exceptionnelles. Donc voilà, si on leur montre, ils vont savoir, ils sont pas plus bêtes qu'un autre. Après, c'est une histoire de rémunération, de commission, ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Vous m'en avez posé plein d'un coup. Donc, comme j'ai dit, Dominique, il y a beaucoup de monde sur le groupe Facebook, donc de Dominique, enfin, qui s'appelle Chromebook FR. Allez-y, si vous avez besoin de conseils, ils sont toujours là pour vous aider, et Dieu sait qu'ils répondent très souvent. Beaucoup de gens se font avoir en achetant un antivirus Microsoft ou autre d'ailleurs. Hein. C'est assez étonnant de voir qu'il y ait autant de conseillers qui savent pas, ou qui en profitent de l'innocence des acheteurs pour leur glisser un truc comme ça. Ensuite, on a Panino. Non, alors je vais dire non. Microsoft, je crois, c'est pas AVG. C'est un antivirus AVG à part. Hein, je crois que c'est une société à part. Et Windows Defender, qui est intégré dans Windows. Alors c'est un antivirus. Bien, pas bien, on ne va pas aller dessus, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais au moins c'est intégré. Mais il y en a un dedans, quoi. Et effectivement, comme tu le disais, Thierry, au moins il y a un truc où les grands de ce monde commencent à prendre conscience que ça ne peut pas être un truc supplémentaire. Il faut y aller, et il faut protéger l'utilisateur, parce que tout le monde n'est pas au fait de la sécurité sur Internet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question en parlant de virus? Comment ça se passe si on utilise Parallels pour Chrome OS? C'est sécurisé dans une machine virtuelle. Thierry, tu veux répondre à la question de Stéphane? Donc, Parallels, pour ceux qui ne savent pas, juste, c'est, oui. Un émulateur, ouais, on peut dire ça, un émulateur Windows. Enfin, non, on lance une machine virtuelle Windows, voilà. Carrément. Donc, on a le bouton démarrer qui apparaît, on a exactement la même chose. C'est une machine virtuelle complètement de Windows qui nous permet de se retrouver et sur Chrome OS, et sur le système d'exploitation Chrome OS, et également sur Parallels, et donc de pouvoir lancer des points .exe, comme on disait tout à l'heure, très facilement. Mais est-ce qu'on est sécurisé du coup? Alors, quand on parle sécurisé vis-à-vis de quoi? Si c'est sécurisé vis-à-vis de Windows, c'est-à-dire vis-à-vis de ce qui passe dans la machine virtuelle, j'ai envie de dire non, parce qu'on rentre à ce moment-là dans une notion de sécurité de Windows. Et pour ce que j'ai dit précédemment,
La manière de fonctionner fait qu'aujourd'hui, on peut installer n'importe quoi de n'importe où sans contrôle spécifique, même si ça commence à venir, mais structurellement, ce n'est pas prévu pour ça. Par contre, effectivement, la machine virtuelle ne va pas pouvoir, j'ai envie de dire, corrompre le système principal. Donc, Chrome OS ne peut pas être attaqué du fait de quelque chose qui se passerait mal au niveau de la machine virtuelle. C'est vraiment deux environnements bien séparés. Pour la petite blague, j'ai fait avoir une attaque à Gaëtan apparemment vendredi, puisque je me suis amusé justement à créer une machine virtuelle et je leur ai envoyé une photo de mon Spin 13 avec un Windows 10 sur l'écran. Donc, je ne prenais pas de risque vis-à-vis de mon Chromebook. C'est ça, ouais. Donc, ça reste bien segmenté sur un Chromebook, donc pas trop de problématiques, à part sur Windows, du coup. Si je remonte le fil, parce qu'il y en a eu pas mal de questions, les extensions... Ah oui, les extensions garanties, oui, ben évidemment, les vendeurs gagnent plus si tu garantis ton produit, mais c'est comme pour les assurances, ça peut être utile pour certaines personnes, pour d'autres non. Ça, c'est un débat différent. Je travaille dans la vente, donc je peux pas dire le contraire. Voilà. Donc, ça dépend du prix, par exemple. Ça dépend du prix. J'ai acheté un disque dur, j'ai pris l'extension de garantie parce qu'effectivement, je crois qu'il demandait 3€ pour un an de plus. Bon, après, voilà. C'est en fonction du budget de chacun, etc. Pour répondre à Dominique, malgré mon excellente prestation dans ce grand magasin où tous les vendeurs, quatre vendeurs étaient autour de moi, il n'y en a aucun qui a acheté de Chromebook devant moi. Et en tout cas, j'aurais refusé parce que je n'étais pas commissionné à ce moment-là. Hein, donc voilà, j'aurais refusé. Et puis, si on parle de revendeur, ben, on va le citer, Stéphane, tu vois. Un revendeur qui vaut le coup, oui, Go With You, ils sont hyper présents. Alors, ils valent le coup parce qu'ils sont à l'écoute de leurs utilisateurs. C'est pas juste des revendeurs. C'est ça qui est assez intéressant. D'ailleurs, c'est pas des revendeurs à la base. Hein. Mais GoWithYou est en plus partenaire de MyChromebook.fr, donc et du CKB Show également. Donc oui, évidemment qu'aller chez eux et si vous passez par un lien à nous, en plus, je crois qu'on a une affiliation dessus. Donc allez chez eux, évidemment. Et vous verrez, ils ont des conseils assez intéressants, mais pas assez intéressants, très intéressants. Ils font des formations, effectivement. Ah oui, je suis tenté par le Lenovo IdeaPad Duet. Alors, mais il commence à dater. Pas de successeur en vue. Je voulais répondre pour la question de DK de mode. Il commence à dater, c'est-à-dire il a un an. Il a un an. Il a deux ans. Il a deux ans. Bon, allez, deux ans. Il fonctionne bien. Il fonctionne bien. L'autre jour, on va vous dire quelque chose qui est important. Une partie de la rédaction de Mike Chromebook s'est retrouvée ensemble à manger au restaurant. Bon, vous allez me dire, on mange au restaurant. Bon, très bien. Tous les trois, on avait notre IdeaPad Duet de Lenovo. Chacun de nous avait, et je pense que Thierry doit l'avoir aussi. C'est un produit qui est formidable. C'est un produit, ne comprenez bien que alors, est-ce que c'est une copie d'une surface comme on pourrait le penser? C'est un produit qui est formidable. C'est un produit, même s'il date de deux ans, achetez-le. On vient de vous dire que la crosse arrivait bientôt, il pourra faire tourner la crosse. Alors, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas ce qu'on vous demande avec ce type de machine. C'est un petit 10 pouces, le processeur, c'est pas un Intel. Je n'ai pas dit que Intel était les meilleurs, non, je dis simplement c'est pas un Intel, mais il fonctionne très bien. Il a une autonomie, si vous savez bien le gérer, ça fait 10-12 heures maximum, et encore. En plus, vous pouvez le glisser dans votre sac, vous pouvez l'emmener partout. Alors, c'est sûr, comme dit Panino et une pizza Ornan, que le sien, il est à moins de 200 euros. Hein, moins de 200 euros.
Donc, pour répondre, on ne sait pas s'il y en a un deuxième en vue chez Lenovo. Ceci dit, ça ne m'étonnerait pas, vu le succès qu'il rencontre, ce Chromebook, ah ouais. C'est vraiment exceptionnel. Moi, j'utilise avec un stylet supplémentaire pour prendre des notes. Oui, il faut faire attention, le tissu sur les, aux endroits des pliures peut s'abîmer un peu. Moi, j'ai une astuce assez simple sur le tissu. J'ai juste brûlé avec une flamme les fibres qui se barraient. Comme ça, ça fait un petit truc tout très propre. Un concurrent qui arrive, qui est déjà disponible, je sais pas disponible, mais qui arrive en tout cas, c'est chez Asus, c'est le Chromebook Flip CM3000, je crois. C'est exactement la même chose que le Lenovo. D'ailleurs, ça doit être même le même processeur dans mes souvenirs. Donc oui, du coup, juste une petite info parce que je l'ai acheté pour quelqu'un de ma famille jeudi, donc je viens de revérifier. Donc il y a deux versions. Là, il y a la version avec 64 Go de mémoire, la version avec 128 Go de mémoire. Oui. À l'heure actuelle, sur le site d'Amazon, Nicolas pourra mettre un lien s'il le veut. La 128 Go est normalement au prix de 349,90 € et elle est actuellement à 289,90 €. Exact. Ouais. Voilà. Panino, pour le. Oui, il est plus cher, l'Asus Chromebook Flip, mais il intègre directement le stylet, par exemple. Donc, il y a 50 balles ou 100 balles d'écart, mais il y a un stylet déjà pré-intégré dedans. Alors, pour ceux qui, comme moi, l'ont acheté à côté, ben, au final, ça revient au même tarif. Donc, il n'y a pas une grosse différence et il va sûrement baisser. Stéphane, bienvenue dans la secte des possesseurs. Merci. De Lenovo Duet. J'espère qu'il te plaît. Je sais que tu dessines beaucoup. J'attends d'ailleurs ton retour. Fais-nous un petit croquis avec un stylet USI pour voir ce que ça donne sur ta tablette. On a une autre question. Je vais l'amener parce qu'il faut quand même répondre aux questions qu'on nous a déjà posées. Ce serait sympa. C'est une question qui nous vient d'une autre personne, cette fois c'est Richard. Bonjour Richard, mais qui était, je sais pas si tu es encore là, mais c'est pas grave. G-Suite gratuit est remplacé par Workspace payant. Tous les nouveaux utilisateurs ne bénéficieront plus d'une suite G-Suite gratuite, j'imagine. Gratuite, j'avais pas lu la fin. Pour répondre à ta question, j'ai mandaté Laurent pour aller chercher l'information au bas fond d'Internet. Et Laurent, je crois que tu nous as trouvé sa réponse. Oui, alors, G-Suite, il n'existe plus. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut savoir, G-Suite a été remplacé par Google Workspace. Je m'excuse de la prononciation. C'est ça. Hein. Donc, il y a deux entités. Il y a une entité gratuite pour les particuliers. Vous, moi, Monsieur Dupont, Madame Michu, voilà. Et vous avez eu un certain nombre d'applications. C'est un pot commun, que vous soyez particulier ou que vous soyez entreprise, vous avez un pot commun. Maintenant, concernant les particuliers, ils ont une partie d'applications qu'ils peuvent utiliser. Ça concerne aussi bien Google Doc avec à l'intérieur le traitement de texte, le tableur, le Drive, et j'en passe des meilleurs. Ensuite, vous avez les entreprises. Dans ces entreprises, elles vont pouvoir travailler avec le pot commun, la partie que peuvent utiliser les particuliers, mais en même temps, ils vont avoir des applications spécifiques pour les entreprises. Ça va être la gestion des administrateurs, des trucs comme ça. Donc, si on comprend bien, comme nous a expliqué Google, et ça on l'a cherché, je peux vous assurer que je l'ai cherché pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai été chercher dans les bas-fonds, j'ai été chercher sur le blog de Google. Je peux même vous dire que c'était l'annonce date du mois de juin 2021, ça doit être du 12 ou du 14 juin. Il y a eu deux annonces ce jour-là, dont celle-là. Donc, rationalisation, c'est-à-dire on regroupe complètement Google au niveau des applications et que ça devient Google Workspace, que vous soyez particulier ou entreprise. Et à partir de là, ça va permettre aux entreprises comme aux particuliers de pouvoir bien comprendre que c'est le même produit, simplement, il y a des différences sur
je dirais, les fonctions que certains vont pouvoir avoir et d'autres n'auront pas. C'est tout. Est-ce que j'ai répondu ? Est-ce que j'étais assez clair ? Vas-y, Thierry. Oui. Ouais. Non, je dis juste, j'en profite aussi juste pour faire un petit big up à Thierry Vanoff, qu'on avait eu il y a quelques semaines avec nous dans un épisode, qui lui est très calé sur tous ces aspects-là. Donc, voilà, c'est l'occasion de lui passer aussi un petit message. Voilà. Effectivement. Donc, pour résumer ce que tu dis, Laurent, c'est... En fait, G Suite et compagnie n'existent plus, mais elles sont toujours accessibles à titre personnel et gratuitement, avec des limitations pour au moins une application, je pense, sur Google Meet. Maintenant, on est repassé à une heure pour les particuliers. Voilà, une heure d'appel vidéo pour les particuliers, ça me semble être déjà pas mal. Mais c'est juste ça. Tout le reste est complètement gratuit, donc tu peux toujours utiliser. Oui, non, mais attention, hein, j'ai bien spécifié, il y a un pot commun, il y a des applications pour les particuliers, il y a des applications pour les entreprises, mais les entreprises peuvent utiliser ce qu'il y a dans le pot commun et pour les particuliers. Ouais. Et d'ailleurs, c'est compliqué à trouver, hein, cette information, tu nous le dis justement, Richard, c'est, on a bien galéré à la trouver, hein, quand même, elle est bien cachée, hein, l'info. Donc, oui. Je comprends que si tu n'as pas que ça à faire de chercher l'information, ouais, c'est pas évident, mais on le sait, Google ne sait pas communiquer, donc on le fait pour lui, hein, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. C'est dommage qu'il ne nous paye pas. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions, enfin, il me semble, hein, si vous en avez d'autres, c'est le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Allez, vous êtes déjà là et je pense que tous ceux qui sont là sont sur Tipeee. Donc, merci à vous de nous soutenir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ces derniers jours ont été assez exceptionnels. On a grâce à vos Tipeee, on a fait une réunion d'équipe et oui, on a pu manger au resto ensemble. Merci à vous. Donc, du coup, c'était très sympa. On a pensé fort à vous et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer encore tout ça. Voilà, moi, j'essaye de vous donner une connexion Internet de meilleure qualité. Enfin, une connexion Internet, hein. Il n'y a pas eu trop de coupures, j'espère, au niveau du son. J'espère que nos questions étaient plus travaillées. Ça m'a pris un peu de temps, hein, je vous avoue, à faire la présentation. Alors, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, ce type de présentation. D'ailleurs, ce serait bien de le savoir. Si vous êtes encore là, vous êtes encore nombreux, dites-moi si vous aimez la présentation type PowerPoint, alors slide pour les intimes, chez nous, ou pas. Est-ce que ça apporte un plus ou pas du tout ? Donc, ça serait intéressant de le savoir également. Est-ce que vous utilisez les QR codes ? Parce que si vous ne les utilisez pas, je ne les mettrai plus. Hein, ça fera du temps de gagner là-dessus. Et puis, si vous avez d'autres questions, pas faire un mythe. Pourquoi ne pas faire un mythe ? Entre nous, ouais, ça peut être intéressant. Pour les tipeurs, on peut. On y a déjà pensé avec Laurent, Thierry. On a déjà pensé à essayer de se faire un truc tous ensemble pour en discuter. Ça serait plutôt sympa. Bonne soirée, Dominique. À très bientôt. À dans 15 jours. Peut-être pas 15 jours, je serai en vacances. Donc, peut-être que la prochaine sera un peu plus loin. On décalera peut-être d'une semaine. Je suis désolé. Voilà, pourquoi pas se faire un mythe. Une bonne idée, je note. Écoute, parfait. Si Stéphane, ça te va, les points essentiels, c'est parfait. En sachant que cette news, le slide, je le rends disponible sur le site. Je fais un article derrière où je rends disponible le slide. Donc vous pouvez y accéder. merci Décade. J'ai vu des présentations professionnelles, moi, mais l'allure. Mais c'est parce qu'ils n'utilisent pas Google Slide. Non, puis c'est des mauvais. Si c'est pas bon. Slide. Voilà. Mais je ne sais pas si vous utilisez les outils Google Slide, Google Doc, Google Sheet, Google. Google Sheet, mais moi je les utilise tous les jours et je les utilise parce qu'il y a la fonction travail collaboratif et voilà. Je trouve ça exceptionnel. On l'utilise tous ensemble, hein, Thierry, Laurent. On écrit les articles de My Chromebook sur Google Doc qu'on partage entre nous déjà pour vérifier s'il n'y a pas une erreur parce qu'on n'est pas infaillible, hein, loin de là. Moi le premier d'ailleurs. Et on peut travailler ensemble, modifier quelque chose sans trop s'embêter et aux heures qu'on a envie. Donc, c'est juste génial. Tous les jours, au 5%, je vais faire des articles poussés, un peu plus poussés.
Vois avec Thierry Vanhoef sur le site de Thierry Vanhoef Numérique Coach. Ils ont des articles sur Google Sheet, Google Doc qui sont assez exceptionnels. Moi, je vais en faire quelques-uns parce qu'il y a des sujets que j'ai envie d'aborder sur Google Sheet particulièrement. Mais tu vas voir, il y a des trucs exceptionnellement bien faits. Et il manque d'autres choses. Hein. Moi, tous les jours, car ça enregistre, ah ouais, ça c'est génial. L'enregistrement automatique, enfin, ton Chromebook, ton ordinateur s'éteint parce que tu as oublié d'avoir chargé ou je sais pas quoi. Tout ce que tu fais, ça s'enregistre, c'est juste bluffant. Enfin, ça, moi, ça fait partie. C'est pour ça que je suis en canal dev ou canary sur mes Chromebooks, parce que même si ça s'éteint, c'est pas grave, j'ai rien perdu en fait. Ça fait partie du lot, je trouve. Pour vous aussi, Thierry, Laurent? Oui, ben moi, c'est même pas la peine. Moi, je considère que c'est bien. Voilà. Je vais faire court, je vais faire concis. Parce que, ouais. On va aller se coucher. Demain, on a de la route. Demain. Alors, moi, je voulais revenir sur ce que posait la question quand même. Excuse-moi. Bah, oui, merci de Laurent. Je fais concis, mais j'ai autre chose à dire. Voilà. Un peu à la Colombo. Ah oui, mais j'ai oublié un truc là. Ça dit toujours. Ta femme lui dit souvent. Ma femme, c'est ça. Ah, c'est cool. Je vous ai mis un lien là. Vous avez vu peut-être, vous avez un lien si vous avez suivi là, si vous êtes dans les dans le chat. Je vous ai mis un lien qui se concerne tout ce que les applications que vous propose Google. Je peux vous dire que toutes ces applications là, si vous les utilisez bien, si vous utilisez que ces applications là, vous n'aurez pas de soucis. Je veux dire par là que même si votre machine n'est plus mise à jour, parce qu'on nous en parle, on nous dit « Oui, mais je ne pourrais plus utiliser ma machine, je ne pourrais plus… » Si vous utilisez que ces applications-là, parce qu'en fin de compte, c'est, la plupart du temps, c'est des web applications, si vous utilisez que ces produits-là, vous n'aurez aucun souci. Vous pourrez continuer à utiliser votre Chromebook, même s'il a 2 ans de mise à jour derrière lui, qui ne fonctionne plus, qui n'arrive plus. Que ça soit un grand public, comme ils appellent ça, ou des entreprises, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les professionnels, mais au niveau professionnel et même développeur, hein, j'avais oublié la partie développeur, il y a quand même toutes ces applications, ces web applications qui vont vous permettre de bien travailler. Et elles n'ont pas de virus. Aucune n'a un virus. Il faut bien vous dire ça. Il faut bien dire à votre entourage qu'il n'y a pas de virus sur les applications. À moi, c'est pas possible. Je peux pas avoir sur une web application un virus. Ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut m'expliquer comment ça fonctionne. Mais bon. Voilà. Merci. Juste avant de partir, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aller sur Google Atelier. Oui, il y a des trucs sympas, effectivement, pour nous poser vos questions. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est peut-être nous donner vos prochaines questions pour le prochain CKB Show, un sujet en particulier que vous voudriez qu'on aborde, parce que bah, vous nous suivez, donc c'est à vous qu'on se doit de répondre. Donc, n'hésitez pas à nous retweeter, nous Facebooker, nous Instagrammer. Ah ouais, j'ai un compte Instagram aussi. Instagrammer, tout ça, histoire qu'on soit encore plus nombreux à en parler et avoir de plus en plus de sujets transversales peut-être. Et puis, les prochains rendez-vous, peut-être, ce sera avec d'autres invités. Je ne sais pas si vous aviez aimé la dernière fois, mais on aura sûrement d'autres invités très intéressants qui nous parleront des Chromebooks et de Chrome OS. Voilà, je crois qu'on va arrêter là, hein, maintenant. Je vais vous laisser partir. Je vous remercie tous de nous avoir suivis aussi longtemps. Merci Thierry de nous avoir accompagnés pendant 2 heures. Merci Laurent aussi. On se retrouve... Oui. Dans 3 semaines peut-être, parce que dans 15 jours, je suis en vacances, donc je n'aurai peut-être pas possibilité de me connecter. Mais en tout cas, je vous remercie tous et je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous partez en vacances, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et pour ceux qui nous écoutent autrement, une bonne journée. Allez, salut. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt et merci de votre présence.